Est-ce qu'on veut vous les démos? C'est good. Oh putain. Ah Mais non, sérieux les GG. gars? Oh non mais vraiment. Bon bah, je vais monter mes armes. Je vais JFK. Par contre, on va être là juste le temps que du coup le ring revienne. Alors, il y a deux choix. Soit on fait les 3 minutes au pool et on tempo le retour des 3 minutes. Parce que si tu utilises les 3 minutes avec la BL et le ring, je t'assure que le boss ne fait pas de graines. Oui, je sais. Mais là, ce qui se passe, c'est qu'on va mettre nos 3 minutes au pool, on va pas avoir les 3 minutes pour la BL et le boss va faire des lurens. C'est une des raisons pour lesquelles on wipe. Non, mais on les tempo. Est-ce que tu te rends compte que si personne cédait au pool, le boss il va pas descendre? Et non, mais alors, évidemment qu'on cédait au est-ce que pool. c'est important? Non, mais on Et, s'en oui, fout que le si, boss c'est dure important. 30 Non, mais c'est secondes de plus. important, c'est Non, important. non, non. Si, moi je te dis que c'est important. Juste, le seul truc, c'est que vous attendez 20 secondes les CD quand on arrive vers 35% Bah, et personne ensuite le vous fera, tu verras. Bah, tu verras. Bah. Personne le fera, c'est tout. Enfin, je te le dis, personne le fera. Bah c'est simple, s'il y a des gens qui le font pas, on regarde les logs qu'il a pas fait, et ceux qui l'ont pas fait, Ok. ils sont engueulés, c'est pas compliqué, Non, hein. je... Donc on met les 3 minutes au pool et on tempo le retour des 3 minutes. Donc pendant 30 Voilà. secondes, on va rien faire. Oui, c'est Vous allez ça. pas rien faire, vous allez bien vous placer, vous allez... Tout ce qu'il faut. Après, du coup, peut-être si on fait ça, vous allez devoir soigner les fissures quand même, du coup, en Bah arrière. Je oui, comprends pas mais pourquoi c'est on pour ça que c'est con en pourquoi fait. on tempe C'est pour ça. les trucs, Faut enfin, juste pas c'est les mettre au complètement pool en débile. fait. Ah non, mais on Mais tape pas des pets, hein. non mais. Ah bah, c'est ça, tempo, hein. Ah non, non, Faut non, juste. alors on Ah peut mais pas faut mettre. juste pas les mettre au On tape pool, des pets. c'est tout, Non, 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 c'est mort. enfin. Enfin non mais continuez à faire comme ça mais juste c'est débile de gâcher la grosse Mais partie du burst qu'il ça revient utilise au en même. combat pour. Ben... Non, mais Zelot, ça revient au même. Ne pas En les vrai, la mettre au semaine pool. dernière, on a fait comment quand on l'a fait? Non, 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 mais vous mettez au pool et vous mettez dès que ça revient. Voilà. C'est juste les gens qui qu'il faut qu'ils ouvrent leurs yeux là pour l'instant. On a wipe que à Ah cause oui, des non, gens je suis d'accord, je suis qui d'accord. ont le debuff sur eux et qui nous font wipe, c'est Vous? tout. Je suis d'accord. Bah, go. La bague dans 12 secondes, là, vous pouvez lancer un DBM23, c'est parfait. Ah, je suis un peu d'accord avec Dreams. Non, mais là, la différence, c'est que là, on a plus de stuff, donc les 3 minutes ne reviennent pas au moment de la Non, BL. mais la Donc, semaine vous mettez dernière, je 3 suis minutes sûr que au quand on pool. l'a fait comme ça, vous n'aviez pas la 3 minutes en même temps que la BL, hein. Je suis sûr que c'était Ouais. décalé. Et personne ne l'a remarqué parce qu'on a tué le boss. C'est juste qu'il y a une graine, Pas il y a autant, il y 4 a là personnes qui ont évité une 24 graine secondes et. là. Oui, non, mais je dis pas autant, je suis d'accord, mais c'était quand même décalé. User in your channel timed out. Nora qui a drop. Voilà, faire ses armes. Mais faites-le sortir vite, ok. Celle qui est derrière les casters. Ah, mais vous, on connaissait pas, ok. Bah, du coup. Poule sur Crax. User entered your channel. Sa mère. Tu as joué. Ouais, du coup ça resynchronise donc c'est bon. Putain, j'avais monté mes orbes quoi. Dommage. Le bon Dieu a dit non, mec. La Rordari. Sacré rec. Et paf, le truc qui est passé dans tous les cas. C'est un peu relou. Hey, ouais. Tu peux reset Azu ou pas? Non. Ouais, vite, comme ça je reset. Je sais pas, les cacs, faites-vous une assine? Genre, y'en a un qui soque devant, qui soque derrière. Bah, moi j'avais D'accord, mais. Oui, y'a peut-être pas les 5 cacs qui avaient graines. Pas au moins 2 du coup, parce que je l'avais aussi. Go crever. Si vous avez une graine, c'est compliqué. Ouais, enfin après.
Enfin, il n'y a pas que les cacles. Hein. Soquer vos trucs intelligemment. Je sais pas, il y a rien d'attrib pour les trucs, mais tu vois, par exemple, Dreams, t'as claqué full CD sur la première vague, sur une seule vague. C'est peut-être un peu plus intelligent de les garder quand on a 3-4 à faire, quoi. Je me demande si t'en as vraiment 3-4 à faire qui vont sur le pilier. Après, que... est-ce que parfois si, vous si prenez des si tout le monde le fait, non, je pense pas. Inutile aussi parfois. De quoi? Est-ce que quand vous sautez les vagues, vous ne sautez que les vagues qui sont vraiment utiles, ou est-ce que parfois vous avez tendance à en faire une ou deux, oui, en pensant que ça va aller dessus, mais pas vraiment? Pour ma part, ouais, j'essaie d'y faire gaffe à ça, mais... C'est ça, il y en a plein qui vont pas dessus. Faut pas... faut vraiment vous mettre au dernier moment... Genre, si la vague, elle passe à 2 mètres du pilier, bah, y a pas besoin de la smoke, hein. Ça vous évite de prendre mid-life. Pour rien. Non, pas cool. Après, si vous voulez un cac en plus, moi y'a pas de soucis. Pendant la phase de graine, je vais me mettre avec les cacs, hein, vu que de toute façon y a pas de cavitation pendant cette période et que moi je serai sur la lune, mais... que j'ai plus intérêt à être au cac. Ah non, ils doivent y arriver, ils sont 5, ils sont quasiment. Ouais, mais enfin, pendant les graines, là, je vais aller au cac. Enfin, je vais aller avec eux. Hein. Moi, c'est quand même savoir s'il y a une vague qui venait du jaune qui a touché derrière les tanks. Ouais, ah, c'est la mienne alors. Sur notre droite. C'est un truc qui arrive en diagonale, donc à part le jaune. C'est sur Crax. Peut-être aller sauter devant le pylône. Ouais. Le timer. 4, 3, 2, 1. Ok, faire. Déplacez-vous les casters. Je vais aller au cac. Ouais, que ça crie. Y'a une qui va. Pas hein, souvent le lag hein, disparaît après que le mec l'a touché. Ouais, je prends les trois. On sait qu'il est loin. Il en faut encore une au cac. Juste derrière les cacs, allo. Celui qui saute pas là tout de suite. Le TP des boules, les gars. 45 secondes, les CD. Il manque quelqu'un derrière le boss. Afrique l'a fait du coup. Ouais, j'ai pris. Nora. T'avais 2 minutes, ça. Bah. Quelqu'un qui vient de tuer Chorizo, bravo. Non, c'est pas toi. On peut. Resnayel. Ouais. Resnayel, vite. On peut resnayer. Okay. Mais c'est déjà fait, mec. Hein. Je prends celle du fond qui est là où il y a les graines. Celle de gauche. Si, si, c'est la prête. On a une jaune à prendre aussi, les gars. Zéa, tu peux pas te... J'ai le soulier, je peux pas. Ouais, pas souk pour les casseurs. Bulle, Nail. Bulle, Nail. Ou Kira, quelqu'un qui souk. Faut pas souk, faut pas souk. J'ai le. J'ai Kira, le... tu fais smoke, vas-y. La graine de droite, faut faire un an. Faut arrêter les graines. Ouais, c'est... donc c'est vraiment ceux-là qu'il faut pas souk en fait. Hein. Ah oui. Non, mais y'a une graine qui était placée n'importe comment, juste. Enfin...
Ouais, j'ai vu, t'entends mieux. Regardez où on pète les navigateurs, enfin, OMG. Parce que là, là, je vais te dire ce qui se passe. En vrai, il y a les gens qui ont les 3 minutes. 3 minutes, c'est je veux ranker, et les gens ils mettent 3 ans à se déplacer sur les graines et regardent où sont morts les gens avec les graines. C'est juste. Enfin. Ça devrait pas arriver, tu vois. Les gens ils ont leur propre petit burst, ils regardent pas leur écran et voilà. Une belle graine au milieu de. Ah oui, c'est inadmissible, tu vois. Genre là, t'as une aurore, c'est impossible de mourir là. Oui, mais GPS c'est mieux. Mais rien à voir avec les CD, tu vois. Ah si, 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 bah. Alors pourquoi des gens qui ont moyen de blink et qui ont moyen d'utiliser des gates meurent au milieu de la salle? Ils avaient leur CD2, bah, ok. S'il vous plaît, j'ai envie d'aller sur Valerie en fait, ce serait cool. The Boss c'est un peu de la merde. Donc... Bon, par contre, désolé, je suis mort, mais en fait j'avais le soulier qui arrivait au moment où je commençais à sauter et je pouvais pas bouger. Reporté, en fait. C'était reporté, je pouvais juste pas bouger quoi. Ouais, je sais. Après, je me suis suicidé un petit peu parce que comme ça j'ai sauté le pied en fait. Le bifoul qui a tué Chorizo, je sais pas qui c'est, j'ai pas envie de savoir, mais juste faites gaffe parce que c'est soit Chorizo est un peu écarté, mais ça m'étonnerait. Ouais, t'es resté un, vous du coup, est-ce qu'on saute les derniers piliers ou non? Ça sert à rien non, en fait, non, de choisir en fait. Je t'ai dit, y'a que toi qui soque si y en a un qui est à l'endroit où il y a les graines. Genre un qui est sur la ligne, pas derrière ou devant Osef, juste sur la ligne. Parce que là, y'a eu les graines. Le pilier qui était sur jaune, il y avait une fissure sur jaune. Ah, j'ai vu. Ça n'a pas fait pop le pilier, donc est-ce que c'est quand même utile d'aller sauter sachant que le pilier va pas pop? Oui, mais juste toi, parce que si y'a quelqu'un qui a des buffs qui doit aller poser sa graine. Ah oui, okay, sur jaune, okay, passe sur la faille, il va. Et après, là, il y en avait deux. Hein. Enfin, quoi? Il y en avait deux à saut. Attends, t'en arrives qu'une, au pire. Mec, il fera gaffe le deuxième, mais déjà, ça libère un peu de place quoi. Mais juste les graines, les gens, enfin. T'en as deux vraiment pile sur les signes, à ballon, tira aussi sur la deuxième, mais. Attends. Ok. Allez, go. Et du coup, vous faites pas les quatrièmes, à part donc, du coup, Zélo, t'as ballon. Et faites attention avec les bifoules là bien placés. Ah si, je te déteste. Sors de ton poteau. Mais oui. Non, m'aurait pas. Pire. Arrête, non, sérieux, non. Tu vas me faire pleurer, arrête. Et je prends au milieu. Et sur Crax. On va faire souiller ce soir. Coquine. Va falloir décaler le boss les gars. Dégalé. Ouais, Cracri. Aurore d'Ari. Les graines. Crack spot. Yeah. Tu mets ma aurore. Allez, bon, je prends les casseroles. Elle est où la mienne? Bah, je sais pas, regarde. Lune, la lune. Bon, merci.
Allez, on va porter quand même. Yes. Ouais. Ouais. Allez, tranquille maintenant. Parfait. Partez-vous les souliers. Je prends celle de verre au cas où. Elle bronze. C'est vraiment très très dur. Hein. Oups. Le petit oups. Pardon, j'ai oublié. Passez tous. Et deux armes. Allez, on y croit. Rétribution. Allez. Alors, du coup, comme allez, je sais. Pardon. Bon, Eldry, bah, comme t'as oublié le ML, t'as gagné le droit de faire les loot à la main. Allez, bim. Bah ouais. T'as besoin surtout. Oh, mafia. Deux trinkets chassés de mythique. T'as choqué. Enfin, sur Velary, il me sert à rien celui-là. Tout se passe bizarre. Juju ou Velary? Manorot. Ok. D'accord, c'est bon, ça va tout le monde. Est-ce que j'ai le temps de TP de m'acheter des Fellblight et de revenir? Oui, hein. Non. Tant que je fasse ça, mec, t'auras même pas fini les loots, je suis sûr. Je fais pas les loot, hein, de toute façon. Tu rank en direct là? Ouais. Je rank pas en direct, je log en direct. Parce que les logs. Eh les gars, oui. Comme quoi on est par bon contre... parce qu'on est 5ème world sur l'exécution. Là, est-ce qu'on, attends, est-ce qu'on en parle? Deux secondes, il y a Eric qui allait parler. Je vais vous demander juste 5 minutes de concentration le temps que je fasse les loot. C'est assez chiant de le faire à la main, donc merci de prendre 5 minutes pour me laisser faire ça correctement. Qui c'est qui veut la cap? Intel Atmic Strike. Alors, crack stock ou Andromède? Y'a du joueur en crack. Ah, c'est toi qui as l'idée? Plus un crack, crack ou plus un crack? Oui, c'est rien, je me suis trempé, mais c'est crack. on va se retrouver devant les trash, vous êtes où tous? On est devant les trash. Pour Gzu. Ah, je vais faire la chasse en premier. C'est pas la même arme. Hein. C'est pas la même? Non, il y en a une qui agit et une qui est interne. Ah ouais. Il y aura quasiment que Kadok, je pense. Bah, y a... Bazouzou. Bah, moi et Bazouzou en plus de. Toi, tu prends ça en plus 1? T'en prends un jambon? Non, mais laisse tomber. Ce mec, c'est un escroc nommé. Je suis tout seul, je dois craquer. Ok, bah alors craque. Bah, ouais. Vas-y, mets-la-moi en craque. Ok, alors. Du coup, tu lui mets un crack et tu lui mets le double d'un crack parce qu'il a essayé de te niquer. Ouais, fais ça. J'ai pas essayé de niquer personne, tu mets plus d'un, y'a personne qui met. Ah oui? Je suis tout seul sur mes armes. Genre, ouais, mais on a dit qu'un bi ça reste un crack quoi. C'est comme ça, je, ouais. Comme je suis tout seul sur mes armes, je dois quand même. Dans ce cas-là. D'où t'es où? Je suis le gros qui saute au milieu. Hein? Ça y est, ouais. Et vous êtes où? Ah putain, vous êtes parti déjà là-bas. On est où? Devant Velary. Enfin, devant les trash. Bazou, tu peux attribuer les GP s'il te plaît? Non, je vais le faire. Putain, l'infia, t'as été meilleur qu'Azur en ranking DPS en tank? Que se passe-t-il? Il descend 3 fois, je descends. Non, il descend 2 fois, je descends clean. Ah, c'est pour ça. Ouais, non, mais j'ai pas le droit à la BL parce que y a pas un seul match qui est capable de la relancer. Ah, ouais, non, mais je te fais déjà rank sur Gorfien, toi, donc écrase-toi un petit peu là. T'as raison. Pendant que toi tu DPS, moi je ramasse toutes les âmes, alors tais-toi. T'as combien de points déjà en ranking? Il veut l'autre arme, s'il vous plaît. Désolé, je m'en. Je crois qu'il y a la ballonne, je crois qu'il était pour ça. C'est un peu ça le concept. GG à ballonne. Ah, juste pour Gzu. Du coup, GG Gzu. T'as pas le même high level, Azu.
peux pas mettre de pugi ici. Mais non. Puisque c'est si dingue, ça me fait plaisir de le faire chier. De quoi tu peux pas mettre de pugi? Non mais Aurac, qui craque. Je peux mettre l'arme à deux mains de Velary du coup si on peut la tomber rapidement. Qu'elle tombe en Warforged chasse, ce serait on cool. Peut se retrouver dans la salle de Secrétaire s'il vous plaît, que je donne mes loot. On y est. Ah merde, moi comme un con j'attendais devant les trages de Secrétaire, tu sais. Pensant qu'il y avait tout le trajet à faire. Ça c'est l'arme magique, merci. M'excuse pour le temps que ça prend. Merde. Ah, du coup, je vais changer les enchantes de mes armes. Ah, ballon, il est où? Ballon? Oui. Ah, bouge pas. Ça, c'est pour toi. Ballon, tu peux laisser ta place pour le reste de la soirée? Ouais, ouais. Merci, merci. Ensuite, qu'est-ce que j'ai oublié? Nature cuir, Intel Crit Mastery avec une chasse. Putain, j'aurais eu mon rogue là, c'est OP ça. Non, c'est de l'Intel, putain, tiens. Non, mais c'est de la juste, oui. Ah putain, en exécution, on fait 5ème mort là, bah dis donc. C'est parce que. C'est parce qu'on cheat la strat et on prend pas de dégâts vu que le combat dure profondément longtemps. Ah, s'ils avaient vu tout ce qu'on avait fait jeudi, ils diraient pas ça, C'est quoi le comme cheating quoi. De strat? Bah. Ah, c'est qu'on bourre comme des glands. Le souk par les mages? Ouais, je vois pas ce que c'est en fait. Bah, le cheating de strat. C'est pas des stacks, burst le boss et espérer que ça tienne. Y'a rien du cheating de strat. Enfin, c'est pas du cheating, mais je veux dire, c'est un peu YOLO ouais, burst, faut que les idées vous tiennent et que vous cassez le boss en deux. Ah, y'a même pas eu les graines là. C'est ça, voilà. Même pas pété. Je pense que tout le monde fait ça, mais bon. Bah, vu qu'on fait 5ème, c'est cool. At Mastery. Oh, le 5ème. Non, les 3 quarts des guilds continuent de le faire à 4 heals et ils font moins de. Enfin, ils durent un peu plus longtemps le fight. Et normalement, ils ont les du coup la dernière graine. Tu t'en as épicé la vite fait, autant que. Non. Parce que j'ai. Non, mais là, c'est vraiment une envie presse. Hein. Ouais. Que j'ai oublié. Des loot. Je te fais ça, Zu. J'ai tout fait? Il y avait combien de loot, vous savez? Non. J'en tu ai plus. Tu peux voir dans ton message de PGP au début. Normalement, il y avait 5. Il y avait 5. Ouais, 5 loot. Nickel, et eh ben on peut retourner. Faut que je groupe. Bon, Alphonse. J'aurais dû faire besoin sur la cape. Ouais, la cape elle est bien. Mélie. Voilà. Ouais. Echo. Ouais, j'arrive. Comment ça s'appelle l'effet Blight en français? C'est le Fielsang. C'est le champ. C'est pas quelqu'un qui a dit Fielsang. Il faut que je TP, il faut me faire un peu. Faut commencer les trashs là ou pas là. Ah putain, un petit TP sur Crax aussi, j'ai oublié d'aller de prendre la bouffe multistrike. Niel, ça va? Tu t'as pas trop stuff? Yo, clic. De quoi? T'as pas trop stuff, ça va? Bah. Comme tout le monde quoi. Gros. Et toi, Aurek? Et moi, mec, regarde. Mon arme pas opti, y'a même pas de crit dessus, genre l'arme de Velary qui tombe pas quoi, non mais allô. Mais t'as quand même 725, et des brouettes. Oui mais ça c'est parce que j'ai fait partie pas des. Tu fais partie des 3 plus stuff de la guilde, escroc. Ouais. Moi j'ai 3 levels de moins que toi alors. Mec regarde mes tokens. Alors, regarde mes jambes et mes gants. C'est peut-être 110 quoi. Vas-y, non mais arrête un peu ton site, j'en ai trop des. Zou, ne joue pas à ça. J'étais pas content la semaine dernière. On peut y aller là? Bah ouais, on t'attend. Hein. Ouais, ouais. Si on peut me TP. Si. Pas le compte que le démon qui m'aura TP. Est-ce que ça te fait plaisir de heal? Nora? J'arrive, j'arrive. Bah, j'ai perdu mes ensembles d'équipement. Du coup, je décore quoi. Enfin, j'ai décoré quoi. Je me recolle. Dungor?
Oui. Vous allez ? Non, j'entendais plus. Du coup, pour Velary, vous avez remplacé Sinnoh par Mei, c'est ça ? C'est ça. C'est par Blanco. De quoi ? Parce que c'était prévu que Sinnoh n'aurait pas ce soir. Il est venu juste pour pouvoir avoir son arme sur Zaku. T'as envie de râler un peu, là ? Comment ? Non. Vu qu'on nous a dit Keki c'était de la merde sur ce fight. Je te sentais bien que t'avais envie de râler un peu. Yannox, pas porter attention à toi. Fais attention à tes petites fesses. Un griffe de masse, mais il est. Voilà, tu. Ouais, mais là, mon jeu il est en train de. Dire non. En fait, ouais, il reste un portail. Hein. C'est bon, c'est bon. Heureusement qu'on a des. Je vois qu'il y a un capaciteur qui proc après la guerre, quoi. Déception du mec! Je dispelle des gens avec ton destin, genre notamment les tanks. Mais non! C'est pas un dispel de masse. Voilà. C'est fait. On va prendre le risque de crever, mais ça prend 2 secondes de plus. T'es vraiment balèze, Orek. Parce que tu nous laisses les stacks pendant qu'il y a 40 millions de mobs par contre. Ouais, quand y'en a plus personne, il est dispel. Alors qu'il n'y a plus aucun dégât. Parce que. Il a arrêté quand de 40 laguer, millions en fait. De mobs, on était sous. C'est ça, il s'est remarqué après. Mais. Après, il s'est dit merde. Il y a des trucs à dispel. On est sous full CD, genre même si vous avez 15 stacks, on vous tient, tu vois. Jusqu'après, on a plus de CD, donc là vous êtes en train de faire des choses, on prend pas de risque, tu vois. Mais sauf quand t'avais plus de CD, il y avait plus de mobs. Oui, mais. On prenait plus. Je suis un mec qui joue à sûreté. Ah ouais, je suis un mec qui joue à sûreté. Par contre, pour le rank, je donne tout. Hein. Oulala. Mec. Tu peux dégrader, je pense. Non, mais là, il manque Erad avec le 3-2-1, c'est tout. On arrive surtout sur Mademoiselle. Allez. Il est toujours aussi con lui. Hein. Irradié là. Ah le proc quand il reste 204 points de vie au peuple, j'adore putain. Ah, attention, poulez pas toute la map. Voilà. Mais on poule jamais toute la map. Ne faites pas des stuns suite. Alors là, voilà, il y a déjà un stun qui est parti. Qui a fait un stun? J'ai. Je vais le faire, ok j'ai fait. Mais c'est bon, on a un DK, ils vont pas caster. Oh 1%, c'est bon, ça passe. Je vais Typhon le prochain. Ok, 1G maintenant, 1G. Ok. Il y a des Typhons, 1G. Ah, j'ai cool, hein. Ah, mais ça, ils sont en global là. Ils sont immunes. 4 anti, le SFT, le HTT, y'a tout. Ah. En fait, t'as pas comptable les mobs là, comme ça, ils font des dégâts. Non. Ah, d'accord. C'est périodique. Microphone muted. C'est pas mal ce qu'il nous dit là. Portana sur le chat. Hop. Ouais, j'ai rien compris. Parce que la force de sombre lune, c'est pas illimité quoi. Ah, un peu de monde. Ouais, ça, enfin, oui, c'est un jouet. Bah. Mais non, il t'a pas mieux que l'infia. Infia ? Oui ? T'as mute Canox ? Non, je suis pas du genre à BL et mute les gens. Tiens. Sauf les bots bizarres. D'accord. Il te parle depuis tout à l'heure, Canox. Non, mais j'étais en train de parler avec ma copine, moi, en attendant. T'es en train de te mettre de la paille ? T'as une vie du couple bien bizarre, Crax. Je parlais avec ma meuf, elle te mettait de la pommade. Oh, goodness. Est-ce que tu as un jouet qui s'appelle... T'appelle. Attends, je cherche. Je cherche pas trop longtemps, ça pourrait te faire fumer là. Oui, d'accord, mais je trouve le nom pour lui dire. C'est.
Mushroom chair, la chair de champignon, franchement. Ça ne me dit rien comme ça. Oh, tellement stylé ça. Oh là là. Alors là, par contre, on va faire du CD. Le skill, là, il va... là, tu vois, on est content d'avoir un charme, là, honnêtement. Ah si, Mushroom chair, je l'ai, ouais. Vous pensez que Velary on l'a one shot? Bien sûr. Non. Moi je pense rien. Alors attends, tu m'as dit que ça s'appelait. Tu m'as dit quoi la trad Orek? La chair de champignon. Non mais mon dieu quoi. Ah mais non, la chaise champignon. Bah oui mais... Après le mec il dit non mais moi en anglais je suis trop calé. Azul. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Allez prenez les stacks là. Spell Azul. Le dispel Azul en fait. Mais non, j'en ai qu'un, fous-moi la paix! Mec, on va prendre le risque. C'est comme bon, j'ai mis un CD. Il a pas de debuff là, ça. Mais il est fragile, en fait. Mec, mais ça se sent quand c'est pas toi qui a des trucs pour augmenter ton heal, hein. Ah, faut dispel tout le monde! Laissez-les pas faire du dégât! Ben non, mais je m'en branle. Mais sois trash. Un truc qui sait bien faire, c'est prendre les stacks, alors ça. Zou, SLT! Je l'ai pas! Non, comment ça, tu l'as pas? Le gros gratteur de ouf. Bon, enfin toi pendant deux semaines mec tu savais même pas de quoi on parlait. Quoi? Ah non mais moi j'ai... Même en sachant j'arrive pas à le prendre donc... On a fait que trajet 10 fois à chaque fois. Ah mais comment vous faites pour faire autant de DPS? Attention, attention ils ont poulé à gauche. Du coup vous avez pas attendu qu'on rage des... Putain merde le mage qui fait chier là. C'est le... Bah, c'est l'Eisten je suis désolé. Par contre c'est un tous les prendre. Ah non surtout wipe en fait. C'est les cliffs de l'Eisten ça. Faut juste prendre les premiers en fait. Ouais. En même temps, il me semblait avoir mis une TDM. Putain, Instead Mec, go. Je dispel les gens qui ont trop de sacs, sinon on se fait arrêter. Ouais, mais là, mec, tu. T'as un mob qui fait son shield, t'es mort. Ah, je suis au réseau là. Il y a un stack là. Ah, j'en ai eu un. Bravo. Là, tu risquerais de mourir maintenant. Qui les dispel, c'était pas gentil. Putain! Mais y'a le drache sur toi qui a fait ça. Je parie sur Harry. Vu comme elle a rigolé. Tu sais, Evry, dès qu'il y a moyen de te faire chier, Harry est la première à te faire un plaisir de le faire. Hein. C'est vrai qu'il a trop peur de toi pour le faire. Moi, putain. Ah, pas toi, mais du coup ça marchait bien. Ouais, voilà, les mêmes. C'est ça que j'avais dit. Non, toi et Exo. Ah non, bah non, pas Exo du coup. Ça va être. Je sais pas, c'était Izena Dreams et un troisième, je crois. Nickel, les mêmes. Ouais, mais le troisième, ça va être top. Quoi pour les kicks? Ah, c'était Izena et moi, je crois. Ok, bah Izena, vais... Izena Dreams et Kalax en backup s'il y a pas. Bah Izena, il est pas là en fait. Ah ouais! Ah, ça bouge ça. Bah Zouzou. Bah oui, là, si. Mais Canox, il a une range, tu vois. mais il sera en backup. Faut qu'on soit 3 s'il n'y a pas de chaman. Bah, je sais pas, tout à l'heure il disait que c'était Izena et Dreams. C'était qui le 3ème? C'était Eldri avec moi. Sur le premier, puis Ina avec je sais plus qui sur le deuxième. Ah, faut que je remette ma macro. Attends, j'ai plusieurs choses à dire. Donc, déjà, Meili, t'inquiète pas, je vais t'expliquer à façon dont on fait, même s'il ne doit pas être trop être différent de ce que vous faisiez. Expliquer. Ensuite, donc ça sera les kicks, arrange-toi avec Bezou, arrange-toi avec TK que vous mettez à 2 et un troisième en backup. Ensuite, Zelot, t'as mal à la gorge. Ouais, non, mais c'est bon, je vais le faire, t'inquiète. Non, mais en P3, c'est lui qui annonce les déplacements parce que moi je peux pas, hein, j'ai juste trop de trucs à faire. Donc il annonce les déplacements, il le faisait très bien la semaine dernière, il va le refaire. Mais pas de foot sur TS, non, voilà, pas de foot dans les temps, il a un peu mal à la gorge, il parlera pas fort, spécialement, il se fera pas chier à crier, donc si vous entendez pas, c'est parce qu'il y a du flou et que c'est votre problème. Tu vas prendre. Ouais, non. Enfin, ouais, t'es pas censé mourir, mais. Ouais, prends la MZ, on va être plus safe. Allez. Tu la mettras sur. Alors. Je vais t'expliquer. Donc, nous, ce qu'on fait, on. La P1, je t'explique pas, Bazou t'expliquera votre placement, je sais pas, vous faites un truc pour les tempêtes, il t'expliquera. Ce qu'on fait en P2 c'est simple, le boss il reste à où il est, ceux qui ont pas de debuff sont en gros sur la gauche du boss bien au cac, et ceux qui ont des debuffs sont sur la droite du boss bien au cac. De manière à ce qu'on soit quand même assez rapprochés les uns des autres pour tous être pris dans la bulle, pour tous être pris dans le marteau, etc.
Si, si, t'inquiète, on va utiliser la MZ. T'inquiète pas. Y'a combien de CD? 3 minutes, hein. Pas de bêtises. 2. Putain, on a tellement jamais d'MZ. Parce qu'on avait un DK avant, mais il jouait au purgatoire. Et il savait pas jouer sans. Du coup, voilà, ceux qui ont pas de debuff se mettent au rouge, ceux qui ont, enfin, j'enlèverai les signes, hein, mais en gros c'est sur la gauche et sur la droite. Tu fais bien attention quand tu perds ton debuff à revenir au rouge, etc. Ça c'est la strat de base. En CD, alors, je sais pas si tu sais, mais si t'as des CD une minute, donc ton AMZ je suppose, ton AMS pardon, ton AMS tu peux utiliser sur chaque marteau, ça évitera que tu crèves et puis ça soulagera la heal, donc non. Tous les CD de perso d'une minute, tu peux utiliser sur chaque marteau et c'est ce qu'il faut faire. Et donc voilà, dernière chose, donc c'est la P3. Donc la P3, en fait, on part du rouge. Donc là, on va tout. Enfin, le boss sera là où il est. On ira du rouge vers le vert, vers le violet. Enfin, en gros, on va tracer une ligne droite vers ce mur-là pour se retrouver au rond. Là, au rond, on va prendre le bump du boss contre le mur pour pas prendre trop de damage. On se met bien contre le mur là dans le coin, on prend le bump. À ce moment-là, tu mets ton AMZ justement sur le bump du boss. Elle fait, c'est un casse, ça s'appelle Gavel of the Tyrant, donc martelet du tyran, comme ça. Voilà, et sur ce martelet, tu mets ton AMZ le premier. Faut que j'en mette en acid mode. Ah ouais, alors avec les frappes, vous pouvez expliquer un peu les tacts. On était bien. Tac, 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 tac. Et on a une smoke aussi. Ok, on est bien comme ça. Donc la frappe, tu. Et vous êtes 5, je crois, qu'elle. Non. On est 5. Ouais, du coup il y en a un qui sera solo. Bah, même Ellie solo. Je sais pas. Non, Maylee va avec Dreams et Frigg reste derrière. Ok, ça marche. Enfin, celui qui est derrière vaut mieux qu'il soit seul, vu qu'il se prend la plupart des frappes. Ta gueule, Chris. Ouais, alors le shield tronic, ouais, toujours utile. Hein. Remettez votre shield tronic en bind à la place de la pote. On le mettra toujours sur le deuxième bump. Cette fois-ci, je vais bump fail en annonçant un déplacement alors qu'on est bump. Ouais. Alors, du coup, Maylee, ça c'est le plus important parce que ça a failli nous tuer quand même sur le down. À partir, donc on fait 3 marteaux dans le fight. Donc, 1, 2, 3, ouais, c'est ça. On fait 3 marteaux dans le fight. À partir du 3ème, ceux d'après se suicident. Maylee, on ne l'aura jamais. T'as un cas qui l'a pas, t'es sûr? Non, certain. En cas que tu peux pas l'avoir. On l'a jamais, ok. On a jamais eu de marteau, nous. Ok. Ok, oui, quand je dis marteau, c'est dit oui, bah le marteau qui tombe, tu sais. Ok, bon, bah si là, si tu peux pas l'avoir, c'est bon. Tu fais gaffe en P3, hein, faut bien qu'on soit paqués les uns sur les autres pour pas que les zones pop n'importe où, donc je reste bien sur le tank. Mais quel attard de ce putain de moine tank! Le mec il troll avec ses roulades, il fait une roulade derrière et t'as mis sur le boss, cette espèce d'attardé quoi. Du coup, tu fais bien attention à pas poser des zones n'importe où, et Zelot donc fera des décomptes 3-2-1. Quand il fait son décompte et que ça arrive à 0, c'est qu'il faut bouger parce que la zone vient de pop. Le calcul, c'est que rester dans une zone, ça te fait 35k damage. Bouger 2 strafes de la zone, ça te fait la moitié des IA. Donc, mieux vaut bouger vite de la zone que rester dedans et se dire que l'aura fera trop mal, etc. etc. Et au niveau des déplacements, donc, comme a dit Urek, on sera là, après on sera sur rond, après voilà, on sera bien dans le coin là, on prend 2 bumps, ensuite on va rebouger une troisième fois, ensuite il y aura un bump, donc là généralement il faudra être contre la grille de la salle, et après on rebouge, le dernier bump on le prendra normalement plus ou moins là. Non, c'était plus ou vers là, le là. Ou là. Ouais, là, on l'a pris là sur le dent. Et après, c'est fini. Ouais, ça sera peut-être même fini avant. Suicidé, les démos, refresh vos gates un peu plus. J'annoncerai 10 secondes les marteaux. Ouais, voilà, 10 secondes vous refresh la gate. Parce que j'ai vu, pour la défense de Chorizo, que le dernier marteau, les gars, la gate elle a pop à la seconde où le marteau a pop. Genre, avec Chorizo, il soit vraiment au taquet quoi. Si vraiment il voulait partir, du coup, il a géré avec son disengage, mais. Bon, c'était un peu chaud. Du coup on peut y aller.
Les heals, vous vous souvenez tous de ce qu'il y a à faire, hein. La compo a pas changé donc il n'y a pas de raison. Top 4, Canox, top 4. Un pool 14. Ah non, ils font du 23 les démos ici. Ouais. Avance un peu. On a du 23. Je la porte. Vous avez expliqué à Mehdi comment faire les tempêtes, hein? Merci. Oui. Ok, c'est bon alors. Il est avec Dreams. 80, c'est parti. Ouais, c'est bon, bah, il est mort quoi. Pas très gentil, tiens. Les kicks, pour les kicks, faites-les bien, même ceux qui sont en backup. Je vois des backups qui essaient même pas de kick. Tu genre Eldrillas. Non, moi je l'ai fait, Mickey. T'as dit que t'avais pas essayé sur les premiers. Les premiers, oui, mais après je les ai fait. Et malgré ça, je suis quand même devant certains et de loin. T'es derrière moi. Merde, j'ai pas Azion en tant que. Merde! Ici, j'ai la lutte, tu m'as perturbé. Je vais voir un marteau. Sur le marteau, vous mettez bien vos CD. Les casseurs, n'oublie pas de suivre la personne. Les casseurs suivent. On suit Niel. Attention, la frappe. On bouge plus où je suis. Non. Ouais, merde, j'étais trop tôt. Ça reste Crax. Un rebuff rapide. Après la prochaine frappe, on se placera. On peut se placer. Ouais. Ok, à gauche. Bien placé près du boss, les casters. Attention. Ouais, c'est. Enfin, on continue le tour. Ah, on a pas de raison. Ah, c'est des. Petit spalon de remède, please. Ouais, on va avoir des fontes. Normal qu'il y ait plus de signes par terre, Auric. Pardon ? Il y a plus de signes par terre, c'est normal. C'est normal. Il y a jamais utilisé. Ah bon ? Fonte à droite ? Non, pour moi. Sacré Orek. Quand vous pouvez tomber le gros ZAD. Le gros crack qui va pop là. Vous avez entendu un foot de là dans fonte. Belle dans 15 secondes. Avancez doucement. Vous dispel qu'il y a un remplacé. Attention les fonds qui sont dans mon groupe, on peut y aller. Full CD perso. Belle lancée. S'il y a besoin d'avoir un backup kit, vous demandez, je peux le faire. Le Dream, je l'ai pas apporté. Belle. Mon kick sera pas up. Dream, c'est pour toi. Non seulement je l'ai fait mais je prends des dégâts pour rien. Mon debuff, selon les buffs avec moi on peut s'en aller. Faut kick le prochain. Ouais. Ça c'est du coup. Ouais pas le faire, je vais mourir ensuite. Je le fais.
De toute façon, Deadit c'est un suicide en remède. Ok, bon. C'est bon, on a moins DPS, t'as P2, j'ai l'impression qu'elle est arrivée plus lentement. C'est oui, non, mais c'est moi. J'ai annoncé ton place, mais en fait, je pensais que le boss allait passer en fait. Oui, c'est ce qu'on avait, mais le boss ne va pas passer. Donc... Non, mais c'est moi, j'ai fight avec ma tête de chef. Aussi, hein. Ok, vous avez tous. Lat, il tombait pas du tout en perte. Normalement, il est censé être mort beaucoup plus tôt. Il est censé être mort 20 secondes avant la perte. Ah, normalement, il y a Crax qui en cliff dessus, et là, il avait pas de stuff. Arrête, ma toc, elle est trop fiée là. On avait Izena, je crois, aussi la semaine dernière. C'est vrai qu'on a, on a changé quand même 3 gros DPS par un DK, un Rogue et un Amelio, quoi. Les 3 pires DPS sur ce boss. Allez. Putain. Par contre, après. Ouais, mais tu restes. Tu veux t'en refaire ou pas? Après, Crax, il avait pas son stuff, mais il fait quasiment autant qu'Eldric Era sur là. Donc. Ouais, mais alors sur le boss, il fait rien du tout. Moi, j'ai pas su dessus, hein. Non, mais avec Bouclier. Moi j'ai switch, enfin j'ai switch quand j'ai entendu switcher sur LAN en fait. Il devait rester genre 6 millions à LAN. Après au moment où, Attends, t'as dit qu'il fait quoi? Qu'il fait autant? Il fait quasiment autant sur LAD que les deux autres mages. Bah, Zouzou, tu pourrais combat en fait, parce que ça fera un peu de cliff sur LAD et. Andri fait 3,3 millions, Kira fait 3,15 millions, Craig il fait. Je peux combat sur deux cibles, c'est un peu sous-exploité le déluge de la fait même. 10 millions dessus. Si, ouais. Et Crax, il fait 2 millions 800 000. Faut jouer en sub, hein, je pense, ici. Les top ranks, c'est sub. Hein. Oui, mais. Faut, t'es top ranks, ça veut pas dire que c'est. Faut que le capaciteur se décide à proc, quoi. Mais. Mais là, après, on avait genre. Enfin. Quand l'infiel annonce switch sur mon LAD, normalement, LAD il meurt très vite hein, si on switch tous dessus. Hein. Après, là, sans les morts, je pense qu'on n'était pas trop en retard niveau DPS et. Ouais, ça va, on a pris du stuff. Est-ce que j'ai le temps d'aller pisser vite fait? Ah, vas-y, hein, t'empêche. Je rentre pareil, je rentre. Donc, on reste, je rentre ça. Non, les placements des fonds, c'était bien. Après, my bad pour le placement, du coup, Neyel elle a eu la frappe et est mort. Ouais, c'est un peu du Neyel, mais ça c'est pas. Enfin, c'était juste au DPS. Mais normalement, ouais, quand il restait genre 72% à chaque fois, on allait se placer et là on a eu la frappe. Ouais, mais le problème c'est qu'à ce moment-là il restait 73,5. Ouais, c'est l'habitude. Ouais. Non, mais tu vas voir, ça ira beaucoup mieux. Hein. Là j'étais à 64 DPS, là je normalement, alors que normalement je suis à 100 plus. Ouais, 130, allez. 150. 200, hein. 30 000. Par exemple, quand je fais une Ice Lance, le bass il tombe, quoi. Ouais, voilà. Allez, de toute façon, c'est un bug d'affichage, en fait. Là, le SCADA du fight, là, du coup, qu'on a fait, ça représente bien les rankings sur ce fight. Alors, match, Frost, les démos, et après le reste. Ça veut dire qu'avec ma toc pourri là j'étais devant les gens. Devant Canol. Ah ouais. Mais il est mort Canol. Ah ouais. Toi aussi. Il y a longtemps. Ouais. Putain, j'ai presque tenu sans les absorber. Ouais, on peut y aller. J'avoue. Je t'ai épaté. Vas-y, tiens. Non. Y a... je te vois. Commence un peu s'il te plaît. De toute façon, à la fin, je me suis laissé mourir aussi, Rek. Hein. Ouais, j'ai vu. Dans 2 semaines, Niel, t'auras le droit de changer. Et là, ouais. Pour l'instant, tu. Pas bon temps, franchement. C'est la bonne date. What?
C'était quoi ça? Le boss va être remplacé au milieu. Bon, d'accord. Là, c'est un peu. Un peu Bagdad là, vu. Golraz, hein. Après la tempête, hein, évidemment. Mais il est Dream, si vous pouvez faire qu'un s'il vous plaît, pas vous bien vous paquer. Bientôt se paquer les gars, après la frappe. Voilà, attendez une frappe là, après cette frappe là on ira se placer. Je passe se placer, je suis. Ok, on se place. Bon du coup on va se placer à gauche du boss, pas de soucis. Vraiment si vous le gastez. Tu peux avoir un rebuff si vous voulez. Pensez-vous bien avec les casters. C'est des persos. Il est pas trop sous le boss mais il est un là. Recule un peu, attends dans le trench. Ils font, on passe en face, j'annoncerai pour mon groupe. Var qui meurt en là-dedans. Moi je peux pas exec. Allez, Var qui meurt quand même. Bah Zouzou, pareil, il va pas trop sous le boss s'il te plaît. Pas sur l'aide. Hein. Doucement. Dispel Zelot, faites Dispel Zelot. Sacré Orek. Je bouge pas, je bouge pas. C'est bon, on se replace. Éléphant, placez-vous. Mon groupe de front, on va bouger. Oh putain, j'avais pas vu arriver celui-là. C'est des persos. Et une apprenti. Adri, faut Dispel. Et on burst. Oh. Les fentes on bouge. La belle était lancée en fait. Ah ouais, bah là on burst. Hein. C'est pas l'arrivée. Deux. Bon groupe, on va pouvoir y aller. Maintenant on y va. Fente on bouge. Oh, il y a Rick qui est passé non? Non. On s'est mangé quoi? Sacré Rick. 3%. On dispel Canax. Il va y avoir un marteau suicide dans 5. Regardez les gates. Pen sup. Et suicide. Et. Ah, de suicide. Allez, tout le monde au cas, concentrez, on s'entraîne. Je vous annonce 3, 2, 1. G. Tu es là, Dan. On dispel Dreams. On dispel Freak, pardon. 3. Dreams, vigie sur la FIA. 1. Bouger. On dispel Nora. Ouais. 2. Ouais, reste sur 1. Bouger. 3. On reste sur l'Infia, nice. Ok, y'a plus de tank. Là, y'a la MZ, la bulle et le SLD. On n'a pas entendu le 3 mais... Voilà. Non, j'ai pas entendu le 2 non plus. Pour cette activation il est trop fort. Je mets. Je suis à poil en mana. Les gars étaient peut-être passés des deux côtés. Je suis mort du coup à la dépop. Ok, c'est pour ça que Crax il a battu. Non, bah le. Non, mais j'ai. J'ai réflexe transfert vers l'arrière. De toute façon, normalement on va plus vite que ça et. Bah. Ouais, je sais bien, parce que. Juste les. Enfin, les blinds, de toute façon, ça marche pas. Enfin, ça marche pas. Enfin, ça va être quand même tuer des gens. Sauf si t'as le double TP de mage. Ouais, et genre un blind, genre moi, mon blind en bandroid, ça tue les gens qui sont dans ma qui étaient avec moi au cueil. C'est parce que là j'étais aux fontaines donc j'étais plus éloigné. Ouais, je sais, mais y avait pas de gate de tout côté, c'est pas ça. Enfin, je crois que j'ai vu des gates que de côté louche.
Henry. De quoi? Canox, t'es bien sur le kick 2 en fait, kick, Quoi? T'es sur le 2, 4, 6, 16 ans? Est-ce qu'il a jamais été fait? Non, mais oui, non, en théorie, oui, mais c'est juste que comme je suis en backup. Ouais, non, mais c'est juste pour ça, j'ai pas dit que t'as Moi, j'ai un truc à dire. Pour les assist heal, Canox, tu mets ton AG. Quand c'est que tu reclaques des. Est-ce que tu reclaques des 2 minutes vers le début de la P3? Des 3 minutes, des CD, quelque chose. Non, je garde tous mes CD pour le moment où on BL. Non, mais ensuite, après la BL, en P3. Et tu claques à quel moment tes CD? Yes? J'en sais rien. Au moment où ils sont web après. Après, ils sont plus web normalement. Bah, les 3 minutes. Vous pouvez faire des rosemanus, s'il vous plaît. Ça veut dire que. T'as aucun CD entre la BL et après? Bah, des CD. Et 2 minutes, okay, bon. Pas les 3. De toute façon, bah, tu mettras l'AG au début de la P3, juste sur les déplacements en gros du boss jusqu'au mur. C'est histoire 2, hein, c'est pas la folie, mais ce sera déjà ça. Zelot, tu les mettras entre le premier bump et le deuxième. Nora sur le deuxième bump. Et qui nous reste? Frick sur la fin, après le deuxième bump, sur les déplacements, ok? Le RC, tu le veux comme d'habitude ou? Le RC, tu... Ah, mais on a plus qu'un. Oh là, ah oui, c'est pour ça. Là, je le mets pendant le bump là. La gate de droite, elle est trop loin du boss. Ouais, oui, c'est pour les assist free. Tu la mettras après le deuxième bump en P3. Ouais, mais garde la MZ pour ce bump là de la P3, c'est mieux. En P2, c'est rare. Ah bon, on me repasse moi. Et. Ouais, voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié? Bah là, c'est tout, hein. Juste Stinku, c'est le suicide gate en fait. Ouais. Donc on recommence avec les gates qui sont posés. C'est bizarre parce qu'il y a des gens qui sont morts et d'autres qui sont pas morts. Genre, comment ça se passe? Bah, les gens du groupe de droite qui étaient sur les. Qui avaient le fond et qui étaient paquets, genre. L2I. Bah, par contre, soyez bien placés au cac du boss, parce que là, je pense aussi peut-être qu'il y a un tick qui est passé sur ceux qui étaient un peu en arrière. Je suis pas sûr, mais. Peut-être. Faut être bien du coup du boss, dans l'axe horizontal du boss. Ok, c'est parti. Hein. User left your channel. Là, c'est le dent, non? Faut juste. Juste ça s'appliquer. Refaire ça bien et puis. La P3 est pas très dure. Oh là! Voilà, oh là, arrête. Détonne, hein. Ok, super. Le ring n'a pas été utilisé en powerpool. Ouais, faut attendre. Ah ouais, les charades. C'est Zilot qui a pris pool. Non, c'est pas moi qui ai pris pool. Non, mon addon il dit c'est toi. Y'a eu un mage qui a pool avant moi. Ouais, moi j'ai vu un mage. Hein. Y'a un mage qui a pool avant moi, c'est obligé. Enfin, le boss est parti vers leur mage, ouais. Et après il est parti vers moi. Genre je crois vers là où et je suis. Et on s'en fout. Là où tu chopes quoi, non? Vous voyez là? Ok, une petite tête de fin dessus. Est-ce que vous voyez là où il y a les nains qui dansent là, je crois? Ah merde, putain, j'ai mal passé. Par là quoi? Ah bah, ils sont. C'est bien, tu nous as passé sur Zelot. Ouais, Zelot, c'est après quoi? C'est bien ce que je disais. Il fait quoi là? Et si vous pouvez faire un. Quand vous faites un reset, si vous pouvez le faire bien. Vous pouvez le dire au moins. Vous êtes sérieux là, qui montait ses armes? Il y a cool. Enfin, faut pas taper dessus s'il monte juste ses orbes quoi. C'est ça, je l'ai dit en fait, je pensais que vous taperiez pas dessus. Désolé. Ouais, Nora, c'est un peu compulsif quand ça coule pas, il faut que. Bah, j'en profite quoi. Comme TP. On peut pull les démons et tout là ou. Sauf comme TP moi. Ah, t'es parti toi, carrément. Laisse mourir, je libère, moi je suis la gueule. Je vais cliquer. Pourquoi la TDM, tu l'as enlevé là? Pas sur toi, mais c'est pas grave. Tu peux cliquer. Merci.
Merci. Et même pas le mec qui a cliqué sur TP aussi, quoi. Et moi on me dit même pas merci. J'allais dire, mais je sais pas. Ouais, bien sûr. D'accord. C'est un peu cool, c'est parti. Allez, il manque juste des buffs. Ça va être stat et. Ouais, stat. On peut y aller. Dingue. My bad, my bad. J'ai vu le boss bouger, j'ai paniqué. Okay, qu'est-ce que vous avez fait? Il a pas bougé, c'est juste un fufu qui s'approchait trop. Elle a cru me voir, c'est tout. Ah ouais, non mais my bad, je l'ai vu se lever, je me suis dit ça la poule, et j'ai juste rentré. Sérieux? Ah, t'as pas ring, c'est bon. Où est ton camouflage? Bah, j'attends un peu avant de ring, mais après c'est. Je me sens noob là, oh là là. Désolé. Là vous avez vu, là où le squelette saute, c'est celui qui a pull là. Hey mec, j'ai un healer qui est DPS. Je rentre mieux que toi en DPS sur certains fights. D'ailleurs, sur Zakut, tu peux regarder, je suis mieux rentre que toi en DPS. Ouais. Bon là le full, je pense qu'on y arrive bien globalement, on a bien bon, travaillé. Ça. On va pouvoir commencer à étudier la P1. Désolé, les démos, vous avez vos trucs là? Ouais. Ah non, moi j'ai pas. Ah, conseil. Quel boss de merde aussi, on sait pas si. T'as n'empêche que quand vous faites un vieux pull foireux derrière, on perd mes 5 minutes quoi. Ouais, ça. Donc essayez d'y faire gaffe. Ah, c'est pas un dénoncé, c'est un jugement. Ça va être moins il en fait. Pas dénoncé, c'est un jugement. C'est good. Non, je suis pas prêt. Oh putain. Moi non plus, je suis pas prêt. Oh putain. Non, on dirait le défi quoi. On attend le purga du coup. Bah ouais, faut que je pousse le CD. Pour les mages, c'est bon. Hein. Je vais le démasser, on peut pas. Pour les mages. Oui. Tous les chamélios, ça en a beaucoup ça. Merci. C'est pas le droit de s'y faire. Tu fric, c'est complètement gratuit. Ouais, une classe, truc. Et là, c'est pas moi. Non, c'est un LM2 là. On suit, on avance, c'est des persos une minute. Fais gaffe. Attention. Putain. Le mec a tué sa meuf quoi. Bah. Polaris. Allez, bouge plus. Oh là, bon. Et par contre, on a. Enfin, la frappe pendant le marteau, on vous avait pas appris qu'il fallait bouger, non? Même en HM, ouais, on fait ça. Non, mais c'est pas Jean Mythique, on fait ça en HM. Ouais. Faut wipe, hein. Ouais. Pour tous les cas, partout, je sais pas, vous faites deux pas à gauche du boss, la frappe elle est. Enfin, c'est pas comme nous, on doit blink. Du coup, vous avez juste à faire deux pas. Bah, la frappe pour la mettre entre sur le red et à gauche. Non, il reset pas. Tu vas perdre tes orbes. On peut pas faire de BRS, hein, donc on va mourir. Ça suit hyper.
Attends, super. Merci. Ah, plus qu'à vous là. Oui, effectivement, c'est comme en HM, on le fait depuis le premier pool qu'on a fait sur Vélary. Je ne sais pas si en NM, même la frappe qui est pendant le marteau, si vous restez dans le raid, vous tuez tout le raid. Surtout que là, on se spike tous sur le marteau. Par quasiment, ouais, par quelques casseurs. Donc les temps qu'ils essayent, je pense, à chaque fois de faire le taunt pour nous l'enlever, mais ça marche non, pas. Non, sur ce timer là, on l'a pas. Ça, vous l'avez pas. Moi, je l'ai pas à tous les pools sur ce timing là, le taunt. Parce que des fois, en fait, j'essaye d'avoir confiance dans mon raid et je me dis qu'il y a des gens qui vont bouger avec la frappe. Ouais, bah ça. Bah, faut bouger avec la frappe juste sur une seule frappe de tout combat en fait. Donc, globalement, c'est pas super dur. Les autres frappes, elles bougent pas en fait. Il y a juste la frappe du marteau qui est à bouger. Il manque quelques. Ah ouais, vous êtes tous partis à pied. Par exemple, vu que vous êtes sous ces persos, vous mourrez pas. C'est normalement après. Si les démos vous êtes bons, on peut y aller. Donc stat. Ouais bah j'aime pas ça. Piquez-vous hein. On va être plus en perle quoi. Sur ces phases là, de toute façon, on peut rien vous annoncer. Hein. C'est. Ça y'a que à réfléchir. Hein. 4, 3, 2, 1. Encore un mage. Oh putain. Ouais, c'est des persos, oubliez pas, la frappe s'écarte bien, merde. Merde. On dispelle des autres, ok, nice. Remplacez-vous doucement, s'il vous plaît. C'est con. Après la tempête, il y aura une frappe, et après la frappe, on se passera. On peut se placer. Ouais. Allez, tout le monde au cac. Finissez pas mes derniers pourcents.
bien sous le boss. N'hésitez pas à bien cliquer sur là-dedans. Ouais. Il va y avoir un marteau, c'est des d'une minute. Sacré Aurex, s'il te plaît. Fonte. Faut faire que l'ad meure. Faut que les gens switchent dessus parce qu'il est vraiment... Ouais, c'est un poil sur là. Ouais. Ouais, faut switch dessus. Fonte, attention. Trente secondes, la BL. Doucement. Pas doucement. Je te prends pas le bas tout de suite, tes yeux. On se fait les fentes, hein, placez-vous vite. Dreams, vigile, infirme. On va bientôt BL, du full CD. Et même CD perso. Des persos maintenant, ouais, c'est des persos tout le monde. Et BL, faut dispel arrive, faut dispel arrive vite. Je l'ai pas, okay, merci. Bon, groupe, on va s'écarter. Bon, y'a pas eu de kick, hein. Azu, faut que tu me reprennes le boss, sinon, mec. Monte. Attention, hein. Mettez pas sur les copains. Hein. Sacré Orek. Attends, y'a des gens qui pèsent sur les copains, c'est obligé. Hein. Ouais, ça défonce un peu là. Attention à votre placement. Hein. Un marteau suicide dans 12 secondes, fonte. Ça va être fini là, les fontes. Ok. Marteau suicide. Sous le boss. En 7, ok. Vous avez vu la gate. Il y a des placements dans 3, 2, 1. Suicide, on bouge. Réel. Et je raise. J'ai 2, 1, on bouge. Concentrez-vous, packez-vous bien. 3, 2, 1, on bouge. Et on se met contre le mur, doucement. Et on va voir tout le même. Donc là, il y a la MZ, c'est des persos. Et la bulle. C'est des persos. On va red bump. Normal. On switch sur l'AD et on bouge dans 3, 2, 1, on bouge. On dispel Nora, on dispel Nora. On a un suicide dans 15 secondes. Ah ouais, la gate. 2, 1, on bouge. Suicide dans 5. Vous avez vu la gate. 3, 2, 1, on bouge, ça coûte suicide. On va être bump, on se met contre la grille. 2, 1, on va être bump. Hey, smoke. Pop. Bougez pas, bougez pas. 3, 2, 1, on bouge. Dreams, essaye de taunt le boss. Headship sur Azu. Headship sur Azu, vous avez entendu. 3, 2, 1, on bouge. Mettez-vous sur l'étoile. 3, 2, 1, on bouge. Et ensuite on sera bump, ce sera full CD qui reste. Ouais, y'a du qui est mort, putain merde. Ah, tellement dommage. Ouais. Pas fini, les gars, c'est pas fini. Ah, y'a vengeance. Vas-y, Bazouzou, on a confiance en toi dans le tanking là. Les suicides c'était bien. Les déplacements c'était bien, juste je sais pas de quoi on meurt. Mais... À 16%, bah là, franchement, 16% c'est rien quoi. C'est des buffs qu'il y a là-dessus. Ouais, prends juste le monde de fait, par contre, Neyel, je crois que. Alors, il y a eu un truc bizarre qui s'est ouais, passé. En fait, ouais, je l'ai raise et elle avait encore les dicks en étant morte et du coup, la mienne est j'avais encore des buffs de la porte. C'était bizarre ouais, un truc. Pour ceux qui ne savent pas, ça m'est arrivé une fois en chaman. En fait, les dicks, quand vous mourrez, ne part pas. Donc, si vous faites un an, 15 temps, genre putain, en chaman, meuf, vous ouais, mourrez en temps. Désolé. Arrivé, faut attendre désolé. La fin du debuff, hein. Putain, je m'étais fait niquer avec mon chaman, mec. J'avais fait le mec trop stylé, genre je vais me suicider les gens. Et là, genre, je meurs, je fais putain. Oui,
Mais je me suis mec, il était mort deux fois dans le fight quoi. Ah, je vois notre lit descendre à un moment. Le debuff de la gate et tout. Ok, ok. Du coup, on perd des gens sur quoi aussi Du déplacement, du. Il y a un dispel qui était un peu long en P3, on a un peu galéré à enlever les debuffs la ville. On a perdu des personnes avec la fée quand même. Il y avait un CD, il y avait des CD, il y avait quoi. Il y a pas Xu qui est mort aussi, non? Non, non, je suis mort à la fois. Les démos c'était nickel, les gates. Hein, juste... Ouais, les gates c'était bien, c'était bien passé, faites pareil. De toute façon, on aura plus ou moins les mêmes timings tout le temps, ouais, à peu sûr. Près. Donc, faites la même chose, juste. On en revient la semaine dernière, hein, on demandait full CD, il y a tout dispo donc. Par contre, GRC, Pomon, tu m'as dit ce que. Personne un petit moment, c'était un peu crit là, genre 2%. Là, t'as pas, pas l'ascendance sur... T'as pas le SLT sur le. Si, mais c'est ce qu'on avait défini, c'est que ça oui, servait oui, pas grand chose. Non, c'était bien, oui, c'était très bien comme ça. Bon. Oui, j'ai juste oublié de changer la racine. Ah, les tanks ils prennent vraiment la bite. Hein. C'est qui a signé en 2 avec moi? Y'a un heal qui est passé? Ouais, y'a un heal qui est passé. Ouais, elle a sale de 6 millions. Et qui est-ce qui a signé en 1? Qui est-ce qui a signé en 2? C'est Dream, c'est qui en 1? Et Dream. Dream, c'est Dream, et en 2, c'est Canox, c'est qui? Et Canox, je crois. T'as pas besoin de backup, t'as une range, toi. En fait, t'attends que le mec le fasse, sauf que tu l'as pas fait, t'essaies d'accuser ton coéquipier alors que c'est toi qui as signé. Bah, c'est ça, en fait, je suis en backup moi. Bah, c'est si, c'est ça. Non, mais en backup, t'es autant censé le faire que lui. Et t'es pas un backup, t'es un kiff. T'as pas de backup, t'as une range sur ton cut, tu peux pas. Tu peux pas avoir besoin d'un backup en fait. Bah, allez, c'est pas à tenir en fait. J'ai regardé Azu la semaine. Sur les 3 morts la semaine dernière, il prend des 700k en fait. Donc, vu qu'il a 643k PV, ça paraît compliqué de le tenir même si. Ouais, faut juste. Bah, voilà, faire des rotations CD. Normalement, vous avec la garde trop mec, CD. T'es qu'Azu, la semaine dernière, il a des gardes à 600k. Sa garde à 600k, elle sort instant. Genre, il lui met un 600k de garde plus un 300k de. C'est normal quoi. N'importe. C'est une phase où on sait que les tanks prennent toujours cher, c'est une phase où on sait que les tanks vont généralement mourir au début de la P3, donc voilà, prévoyez les CD et puis ça va bien se passer. Et ah oui. Il avoir les BRS pour ça du coup. Hein. Ah ouais, mais bon, là, c'est un heal, on pouvait pas ne pas la Après, là, y a pas le choix, j'ai oublié de BRS Nail. Bah. Si Chorizo était pas mort, je sais pas comment, hein, Chorizo. Si c'est un DPS, on ne BRS pas, mais c'est un heal. Allez, go, c'est parti. Une grille est prise à chaque fois pour pas avoir l'edit, tu sais. Bon, t'as vu, là, j'ai pas fait le rage, j'ai bien. Non, moi, je fais pour l'avoir. Ouais, c'était une cutscene. Je me rattrape la semaine dernière. Je suis dé qu'on l'ait pas tombé sur ce pool quoi. Pourquoi t'étais bien? Non, oui. Il te fait fond du gouffre le Krax. Il nous une Eldry. Putain, ça a pas prêt pool quoi, MG. T'as me aurait arrête de prendre mon spot là. Et attends, là. Putain, de grosse te pue. Il rend marteau après ça, attention. Ouais, tout le monde avance, on s'en met les pas au centre. La frappe, nickel. Nickel. On suit même le dernier hit dans les casters. Nickel. Sur la frappe. Ouais, on va se placer normalement, on ça va se placer. Ouais, c'est on va tester, hein. Pire, ça pas sera trop ma vite. Low burst. On se passe. Ouh, c'est un peu sur l'aide.
Vous avez entendu un peu sur la bah autant aller sur la tout de suite hein. Ouais, allez-y, allez-y. Faire, allez, on va bientôt avoir un marteau dans 5. C'était d'une minute. Fonce. C'est bon, faut reprendre sur le boss. Elle est fonce. C'est elle dans 30 secondes. Mon groupe pour les fontes, on peut s'écarter doucement. On s'avance doucement, doucement. Hein. Et dans 10 secondes. Et dans 10 secondes, il y aura aussi un marteau. On va full CD. Enfin, même maintenant en fait. C'est allez, ça déperce tout le monde. Belle. Nora, t'es resté en plus, je suppose, reste sur Nora. Tu vas rester sûr? Ouais. Oui, je peux pas quitter, on va le faire. Et c'est le prochain? J'ai entendu un. Ouais. Le prochain, crie au rec. Pic. Les fontes. Et les fontes, placez-vous bien. Et pas les fontes. Reste 3%. Ouais, ça va être bon. Allez, P3, on passe sur la LAD, 10 secondes, le suicide. Ok, vous êtes placé, vous voyez la gate. Déplacement dans 3, 2, 1, déplacement. Suicide à sacré. T'as le coup ? La gate, t'as le coup ? T'as le coup ? La gate. Ouais, mais les gens se mettent dessus, on peut pas. Ouais, y a trop de mettre sur la gate, hein. Putain, faut pas se mettre les. Pff, oh lolo. Ouais. Ah, je suis désolé. Pourquoi vous êtes sur. Non, mais c'est pas ta faute, les gens sont sur la gate. Genre, pourquoi vous êtes pas à 2-3 mètres ? Elle est un peu mal placée aussi. Non, juste les gens se mettent pas sur la gate, c'est tout. C'est peu importe le placement. Ouais, mais elle est tout seule. Ça va, y'a pas pu l'avancer tout à l'heure. Non, peu importe le placement de la gate, juste les gens ont pas. C'est bon, c'est bon là. C'est bon, on va pas en parler 15 ans. Courez partout la raie, courez partout. Vous savez que quand on annonce le marteau, vous mettez à côté de la gate et pas sur la gate. Oui, non, mais là le truc, c'est. C'est pas de la faute des gens, la gate était sur le passage où on devait passer, donc forcément on est dessus. Putain, c'est pas. Mais on pouvait se décaler. Où t'avances et tu t'arrêtes avant. On va pas en parler 15 ans pour la gate, c'est bon. Ah, d'accord. J'ai réparé. Voilà. Putain, j'étais bien là. L'infia, hein, tu le sais déjà, moyen de mettre là sur le boss. Ben, je te dis, ça se joue tout au début. Tu décides de straffer, non. Si il décide de pas straffer, oui. Après, je peux pas m'abuser à courir partout avec les Tented Shadow, quoi. Le truc de feu, c'est-à-dire. La tempête. Voilà où faut avancer, reculer. Pour les cacs, tu parles. Ouais. Eh ben. À distance, je m'en fous un peu. Et Elle est. Correct. Oui. Si un DPS, comme genre. Voilà, comme là, Nora meurt en P2, tu veux vraiment le reste. Genre, si jamais en P3, c'est un heal qui est suicide, on n'a pas de DRS. Bah, pire, il n'y a pas moins en P2, mais. Enfin, au pire, 3 heals, normalement la P3, à part moi que ce soit Neyel, les autres ne sont pas. Enfin, c'est Xou un peu, mais. Ouais. Ouais, non, je suis d'accord, mais. En gros, si c'est moi, on me reste pas, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Bon, en P3, tu fais moins de que les autres, hein, c'est normal. C'est la P2 que tu. Mais. Après là, vous mourrez, enfin, si tu meurs, Nora, c'est les déflagrations des autres qu'on les. Bon, je suppose. C'est sinon, c'est ça. En train de regarder, en fait. Non, mais c'est ça. Ouais, c'est sûr. J'essaie de voir si j'avais le debuff encore en fait. Non, mais en fait, t'as pas le debuff, si t'avais t'affiché les dégâts en fait. Ouais. Si t'as, tu prends les dégâts, c'est que t'as pas le debuff. Frigg et Eldry, ils avaient le debuff, ils te l'ont mis sur toi qui ne l'avais pas. Si tu l'as, ça t'affiche pas les dégâts en fait. Ouais, donc j'ai slacké en fait, j'ai pas fait gaffe à mon timer.
Ah, ma W. Il pète boule bouffée, hein. C'est bon là, la gate elle est bien placée. Ça dépend du DPS en fait. Hein. Non, mais elle est bien placée par rapport à notre déplacement, si... par rapport à la ligne qu'on fait. Genre, il varie tellement d'un fight à l'autre que. Ah, c'est un moment. Rims, t'avances-toi s'il te plaît. Rims, t'es prêt? Ouais. En fait, tu voudras pas quand tu l'as dans P1 plus tard. Non. Je change rien. Juste PV à la fin. Ah, on avance avec lui. Je suis. Vous avez pas le droit de mourir de ça. Bah, surtout en haine. Ouais. Ok, on va attendre. Ah, une frappe. Ouais. Allez, après la frappe, on se place. Ok, on va se placer. Bien au cac. On fait l'AD. De toute façon, faudra bien le faire. Marteau, CD. Ça va être bon, go le boss. Attention. Bon, dispel d'arrivée. Bien joué. C'est elle dans 10 secondes. Mon groupe, on peut commencer à s'écarter. Premier. Orto, CD. L. Ponte. Attention, il est pas sur vos potes, s'il vous plaît. Fonte à 2%. Tu cites dans 20 secondes. Pas tout de suite. Non, mais là c'est bon, c'est fini. Ouais, c'est bon, c'est fini. Sous le boss. Bien sur le tank. Fini l'AD. On bouge dans 3, 2, 1. On bouge. Tu cites dans 6 secondes. Ok.
2, suicide. On bouge. Putain, mais s'il vous plaît. Oh là là. Non, on reste sur l'infia. Il y a pas encore. Ça va venir, ça va. 3, 2, 1, on bouge. On se pète contre le mur. Dispec Anox. Contre le mur. Vigie, vous avez entendu. Ok, les CD maintenant. C'est des persos. CD maintenant. On est sur l'AD. L'AD il est sur ta statue aux yeux. L'instant, on pourrait être 13 dans 4 secondes. 1, on bouge. Attention, il n'y a plus de gate pour le retour. Zeus. Suicide, non, pas de suicide 20 secondes. 3, 2, 1, vous prenez la flaque, on bouge. Je reviens, je peux pas te mystery rien. Ah là, on a quand même pas eu de chance à coup. Au moment où t'as pris la gate, elle a fait pop une zone sur place. Pas un bad combo ça. Ah, mais GG avec ça coup, hein. Tu places des flaques comme ça. Ouais, Crax, tu meurs aussi comme ça. Lui il pouvait rien, toi je pense que tu pouvais quelque chose. Mais les gens meurent de quoi là juste? Bah. D'un coup mêlé. Alors, voilà, c'est juste ça. T'as pas le droit de mourir si t'as des terres, hein, franchement. Crax, bah, juste pour que tu meurs. Honnêtement, je vous explique, hein. Les moments où vous avez le plus de chances de mourir, c'est P1 et début P3. Le reste du temps, c'est assez safe. Même la P2, normalement, même les marteaux et tout, on est tranquille, on envoie des CD, y a pas de soucis. Il y a juste le début P3 sur les déplacements, on est tellement bas en PV que c'est un peu dangereux, donc là, faut faire gaffe. Et la P1, où quand il y a le marteau et qu'il y a une frappe, bah, il y a beaucoup de dégâts, déplacement, plus le marteau, plus la frappe, vous risquez de crever. Donc vos CD immunes, s'il faut, c'est là. Et le RC, tu pêches lequel où on doit bouger là? Bah, le RC, j'aimerais bien que tu le mettes juste en gros. Sur les déplacements, ouais, en gros, à partir premier du premier déplacement, ouais, ce serait pas mal. On va peut-être sauver des gens, ouais, c'est pas bête. Ouais, fait... Là, je l'ai calé, tu sais, ça pas le. Enfin, pendant les bumps là, mais. Ah, rien en fait. Je le calerai pour le premier déplacement. Une grosse déco, je crois. Un peu le temps de déco que je suis. On entend ? Oui. Ouais, quand Zelot fait 3-2-1 au 1, tu. Ouais. Et l'infi azul là, y'a. Ah, en fait, moi, je me fais brain par le DPS, le petit up de DPS qu'il y a eu. Du coup, je claque mon 50 trop tôt et quand je crève, bah c'est quand il fade. Ah oui, faut que je le claque juste un peu plus tard et ça ira. Après, quand il fade, on peut enchaîner sur un autre CD. Hein. Après, l'infia, si tu. Y'a pas de soucis. Hein. T'as envie de jouer Udrood ou DK, c'est peut-être mieux pour ce. Voilà, pour ce boss. Non, mec, je vais pas retomber dans BRF. Warrior. Non, mais. Druid, déjà, j'ai pas. Allez, c'est un 9 yo quoi. Ok, LM. Mais de toute façon, la FIA quand t'es mort, t'avais même plus le boss. Hein. J'avais quoi? T'avais pas le boss. Hein. Si. Non, c'est moi qui l'avais repris. Non, moi je venais de le taunt. T'as pris rempart du tyran. Mais parce qu'il y avait mais ça aussi quoi, par terre. Rempart du tyran, c'est la zone au sol, je crois. Ouais. Oui, parce que d'ailleurs, la première zone au sol, il y en a un qui était déjà trop éloigné du boss. Hein. Ouais, ça nous a tous remis dedans, je sais pas qui c'était, mais. Non, c'est bon. Allez, moi je suis chaud. Pas l'infir quand t'es raide et que t'es pas encore rebuff, que t'as pas. On a même pas vu que t'es raide, t'as pas mon guide, etc. T'as pas le boss instant, hein, il est trop one shot instant. Sinon. Ouais, non, mais le problème c'est qu'Azu était mort donc je suis obligé de prendre quelque chose. Hein. Du coup, si Azu était mort, effectivement. Et le temps que je remonte ma mastery et compagnie. Allez, on est parti, on le tue là, c'est bon. Thank you.
Merde, putain, le pawn de merde. Mais non. Attention tout le monde. On a le retour. Hein. Je peux pas, il veut pas. Vous êtes sérieux? Il faut arrêter ça par contre. Tu vas y arriver, vas-y, avec ton aide. Il veut pas. On suit ça le coin. Et elle bouge. Ah là, il va falloir faire quelque chose, hein. Ah, merci. Y'a pas de mort sur ça, c'est tellement un miracle là. GG. Faut-être. Chut. Placera pas tout de suite. Ouais, il y a eu un petit nerf du DPS. Hein. Je dispose de l'autre, je l'ai pas monté. Merci. Attendez. Hein. Prochaine frappe. On va se placer. Marteau dans 5. On exécute là de là. Dispec Anox, please. Dispec Chorizo, please. Yeah. Ok, wipe. Honte. Bon groupe, on peut y aller. Non, mais go wipe. Alors, vous faites quoi les cracks et gaffes là? Je pense que. Bah, moi je mets l'ordre de la dite de condamnation. Hein. Pourtant, j'ai claqué un CD. Hein. Pourquoi toi tu meurs et pas quelqu'un d'autre? Bientôt. Ah, mais wipe. Et on a dit wipe, ouais. On dans le raid, ça va aller vite. Hop, 3. Pourquoi tu le ferais? Canox, je suppose que tu meurs de ton debuff. Canox, il est. Vas-y, meurs. Ah, yo, c'est relou de mourir de ça, quoi. Je suppose que Crack, c'est pareil, hein, c'est le premier moment. Ah, c'est pas moi qui heal. T'as qu'à dire ça, t'es. Canox, Corrupted Blast, Trax, non, oui, ça... ouais, on est d'accord, j'arrive à Trax aussi. Bon, 4 tics instant quand je vais me décaler à peine. Faut partir, enfin, faut que je parte un peu avant si je veux rester au ouais. Vu qu'on annonce les kicks, on peut faire ça. Ah, je me suis mort que de l'édite, hein, moi. Ouais, non, je vois, quand c'est pas de ta faute, c'est. Mmh. Pas de ta faute. Ouais. Au pire, je dirais quand j'ai fait le mien, tu vois. Quand tu fais le tien, je dirais qu'on enchaîne. Sans floude, hein. Faites pas une phrase complète à chaque fois que vous faites votre kick, c'est des juste kick.
gars, c'est de la merde là, y'a rien à faire. Ouais, quoi. C'est pas... Bonne idée, Daniel. Très bonne idée. En fait, plutôt que d'écrire et d'avoir de galère à écrire, si tu pouvais te dépêcher d'avancer. Bah, je cours aussi que je peux. J'ai qu'un sprint toutes les 45 secondes, alors bon, c'est pas pratique. Ah, tu m'aurais dit, je t'aurais dit. Après, quand on sera en P3, si c'est possible de pas se mettre trop près de la liette, les gens, tu peux me. Il y a des add-ons pour mettre des messages par-dessus vos têtes. Quand faut qu'on se déplace et tout, c'est vite le bordel. Donc n'hésitez pas à mettre 2-3 mètres avec la liette. Sinon, c'est assez dur de cliquer dessus. Ça fait longtemps que j'ai désactivé les messages au-dessus des têtes des joueurs et vous devriez faire de même si vous devez cliquer sur une liette. Ça dépend, parfois c'est utile. Allez, go. Ouais. Slash save, vraiment. Ouais. Bah oui, parfois, pour, ouais. Pour les kicks par exemple. D'accord. Parce que, je sais pas si tu as regardé dans ton chat en bas à gauche. Si tu l'as mis en gauche. Le de Régorgeur, c'était quand même super. Moi je prends toute l'équipe en fait. C'est pour ça que t'as un rap. Putain, j'ai pas de bête. De tout pas, c'est toi? En toi, Azu. Ouais, bon. Il y aura un marteau. Faites gaffe, on est super loin les distances. Bah, tous les casters, vous êtes dans le marteau. Oh, tout simplement rien. Oh, ouais. Pas le boss, c'est décalé comme ça. Azu qui a pris à voler. C'est vrai. Ça change pas grand chose, on avance tous un peu. Je vais le replacer dès que je peux. Oh, bien sûr, la tempête. On est bien au niveau du DPS, on va faire une frappe, on va se passer. Hop. Elle veut se placer. Vous, les testeurs, vous rapprochez du boss, hein. Marteau, c'est dans 10. On est sur la dent. Il est trop haut, là. Allez, full CD des persos. Ponte. Les fonte rapidement. Allo sur le boss. Ponte. Red va pop, attention. Je te laisse un peu le boss, Azu, pour plus loin. Et ouais, les gars. Ah, est-ce que t'as avancé un stand, je sais pas. Enfin, reste sur un des deux. T'as l'encanox ou pas? Ouais, c'est mon ordre. Ne l'utilise pas, l'utilise pas. Ouais. Ils t'ont fait. Bon, un res, ne libérez pas. Aurek, on peut parler d'un truc là sur la strat, s'il te plaît. Bah. Est-ce qu'on peut tuer l'AD en P1? Bah, non, ça change rien en fait. La P2 est beaucoup trop longue.
Non mais la ça P2, change, faut que la P2... tu bah, bien sûr. Okay. La P2 elle dure beaucoup moins longtemps que la semaine dernière, on a plus d'épaisse, c'est pas ça le problème. Là le problème okay. c'est juste on a un bad timer sur en fait le pop de l'AD arrive sur un casque de Tented Shadow, du coup c'est pour ça que tu meurs Canox. En fait quand t'es en vol tu prends une Tented Shadow et t'as le Font of Corruption, donc forcément tu la prends. Max Garage, je vous ai dit de pas libérer. Donc vous... Ouais, je sais pas, j'ai vu. Vous préférez qu'on perde 30 secondes de la phase la plus... le plus dire check du fight à DPS en NAD plutôt que la DPS en P1? Là, y'a pas de DPS normalement, c'est du cleave hein. Mais on a pas de cleave, On va mettre 10 secondes à, à 13, à la main, et tu vas mettre 1 minute à venir à pied. Quand je dis pas libérer, c'est vous libérez pas quoi. Moi, et debuff ou pas. User left your channel. On tue cet ad en P2 oreille, et du coup on rallonge notre P2 volontairement. La P2, est-ce qu'il y a un souci à la rallonger les gars? Est-ce qu'elle a duré plus longtemps que la semaine dernière? Non. Ah, ok, Osef. Ok, Osef. Mais c'est bon, Osef. Bah... Non, mais non, c'est pas la phase la plus dure. La plus dure, c'est la P3. Et pour la P3, vaut mieux avoir des auras réduites. Pour la suite, c'est la P2 et y a pas besoin de la réduire plus. Bah, vraiment, c'est ce qu'il faut faire, hein, mais je sais pas pourquoi vous les focus là. Apparemment, ils tombent pas assez. On a pas de cleave. Quel type on avait la semaine dernière? On a pas la même compo, on a pas la même compo. C'est surtout que l'année dernière. Il te manque. Il te manque à ballon. Pas son gif, Crax. Non, mais j'ai un gif, c'était la même chose avant. Non, mais si on manque de cleave, tu peux pas jouer une spawn ou une cleave. Au final, tu fais autant de DPS. Enfin, non mais continue à faire comme ça, m'en fous, je dis juste que ça, si on perd 30 secondes au début de la phase. Et de toute façon il y a juste y a pas à déréfléchir à la strat, le boss la strat elle est comme ça, elle est très bien. Il y a juste à rappliquer et à pas mourir en P2, à faire des kicks correctement et là, c'est juste un bad combo, stop panique, il y a là. Ah, la strat elle a pas changé, elle a pas... On va commencer à changer la strat après de tuer le boss. Enfin... D'ailleurs, là, dit tombe trop vite. En P2, tu parles? Le premier, ouais. Le premier? Comment ça, il tombe trop vite? D'habitude, j'ai mon rec de up, je l'ai pas. D'accord. Donc voilà, donc stop vouloir focus là, on focus le boss comme d'habitude, et jamais eu de soucis, et stop vouloir changer la strat. C'est parti! Microphone muted. Microphone activated. 5, 4, 3, 2, 1. The Eredar are no strangers to war. Are you so eager to need your aid? Enforcer, and act I will. Ça avec lui, t'as des persos, attention à la frappe, suffise. Chaos qui prend beaucoup de dégâts des tempêtes. Après cette frappe, on va se placer. Allez, vous se placer.
5 marteaux. Et c'est des persos, oubliez pas. Les fonds, placez-vous correctement. Fonte. Et merde. Reste. On reste. On remonte rapidement. C'est dans 16 secondes. Il y aura aussi un marteau, faudra full CD perso. Les viateurs sont trop loin du boss. Alors, rochez-vous les gars. Faut être au cac pour le marteau. Allez, il va y avoir BL plus marteau. Fonce. Mon groupe, on bouge. Sacré Aurex, s'il te plaît. Merde. Ah, putain. Ah, c'est marrant, continue, continue. Il fait eux. Fonce. T'as qui de kick là, c'est à nous, Dreams? Ouais, ça. Ok, ok. Je fais aussi. Ok, tout le monde sous le boss, on finit là. C'est pas tout de suite le suicide, hein, 20 secondes. Passer la porte démo plus loin, s'il vous plaît. 2, 1, dépasse. Ta mère, pute. Passer la porte démo, s'il vous plaît. 3, 2, 1, on se déplace, on va se suicider. Taquer la bague, David, taquer la bague maintenant. Ouais, mais alors du coup, putain. Ah, mais putain. Il y avait pas besoin de la placer la porte démo en vrai là. Bah, si, où elle était. Mais, non, elle était un petit peu sur. Enfin, elle était sur la gauche, sur notre gauche quoi. Elle était dans une zone libre. Sauf que là, du coup, tu fais déplacer un démo qui était en avance sur nous et ce fameux démo a fait pop une zone sous ses pieds quoi. C'est ça. Donc, bon, au final, c'est pas rentable non plus. Ouais. La porte a été complètement dégagée sur la gauche, sur notre gauche. En fait, faudrait qu'au début on tourne autour de la porte. Que ce soit toujours maintenant, mais c'est vrai, hein, que ce soit toujours au milieu, tu vois. Ouais. Sur trois flaques. Sur les tempêtes, mais en fait c'est un peu le bordel sur les tempêtes côté droit là. On a pas mal de lattes qui nous regardent. Ouais. Je sais pas si elle a changé ou pas. Surtout qu'on est paquet tous les deux, c'est normal. Il y a eu deux fois où j'ai serré les fesses pour toi, alors que. Mais j'ai rien fait de spécial, je te jure, je suis sur base. Ah, j'ai pas. Pas juste des bazous, il a juste des feintes et des cosses à chaque fois. Oui, mais lui, je sais. Ouais, des cosses. Cosses sur chaque côté. Des feintes, d'accord, mais des cosses, t'es fou, toi. Harry, t'as fait quoi avec le dernier titre de marteau? On se voit qu'il t'a mis en 2 millions. Bah, non, en fait, j'ai eu le marteau, le fonte, je devais être tranquille, j'ai au milieu du raid, donc je me suis dit, dès que la tranquille sera finie, je transfère, mais. Ah ouais. En fait. Ouais, tu t'es détaillé. T'as blinké ou t'as blinké en dehors du raid? Ah, elle s'est retrouvée derrière Azu et moi. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Au pire. Un peu comme Frick sur les premiers pools. Si tu fais pas le dernier tick de ta tranquille, c'est pas grave, hein. Tu la cancelles et tu vas te placer. Enfin. Ok. Dès que tu vois que le boss commence à casse une TNT de Shadow, c'est que faut que tu bouges. Mec, tu m'as perturbé à faire ça. Je me suis demandé pourquoi j'ai un druide qui était derrière moi, quoi. Ouais, mais ça, j'ai transféré dans le vent, je peux m'exprimer. En P3, alors je sais que si tu l'as déjà dit et c'est ce que Salcou vient à peu près de dire, demandez pas de replacer une gate, pourquoi nous on fait pas un tout petit peu le tour de la gate? Ouais, on peut faire que dans tous les cas, après on ira se mettre dans le coin, même si on a 3 pas en plus à faire. Ouais, faut vraiment donc, si la gate elle est comme ça. La gate elle est placée au début et nous on fait les premières flaques autour, enfin on première. Non, mais là si tu veux, ce que je viens de te faire en plus, qu'on peut te faire largement, c'est. On se place. À peu près là, tu vois. Elle va poser la première zone où elle est, le boss, ouais, et après on se place là. Donc la gate se retrouve sur la gauche du boss, et. Pas de soucis quoi. Côté PSV, s'il vous plaît. Mais si jamais on doit se déplacer avant de prendre le truc. Bah non, mais là c'était bon. Non, là c'était bon. TP. Là, la gate était à peu près au niveau du boss. J'ai un problème avec les TP ce soir, tous. J'avais comme ça, on peut la contourner. Ok, mais. Enfin.
Ouais, bah, je vois pas le problème en fait, c'est pas parce qu'il y a deux flashs qu'on va poser différemment de tous les autres boules qu'on va wipe en fait. Après, on a juste à aller se placer dans le coin du mur sur la troisième flash. Voilà. On peut cliquer sur la guilde de là, faire le tour comme ça. Ouais, voilà, c'est ça. Ou dans l'autre sens, enfin, non, on peut... Enfin, attends, on a la guilde. Faut penser qu'il y a en plus la zone au sol. Hein. Et qui a une certaine largeur. C'est vrai, ça. Comment ? C'était trop réactif au kick. Pourquoi trop réactif ? Avant moi le 3ème. Tu peux cliquer sur les TPS, tu vois. Bon, Kara, tu l'as eu ? Bon, j'ai 6% de dégâts en plus. Ouais. Ouais, sinon tu m'annonces, hein. Ouais, mais c'est bon. C'est comme ça, c'est vrai. Bien. Aurait-tu même donné une assise juste 2 secondes ? Ouais. Que voir si. Enfin. Les gens ont bien compris ce qu'on voulait dire. C'est pas moi, c'est. Oui, non, mais t'inquiète, ils t'ont entendu. Oui, non, mais. Non, mais okay. On va à droite, okay. On, okay, j'ai on fait pas, un petit peu le tour okay. Et. Non, mais go. Mais arrêtez de vous vexer pour un rien ce soir, putain. Mais voilà. Ouais, on va au bleu, ensuite on fait un peu le tour vers la droite et on revient devant. Pas poser de trucs sur la gate. Pour la peine, je vais regarder zone interdite. Grosse soirée, on se pas habitué. Toi ce soir, tu baises. Moi, je regarde pas les vieux téléfilms sur la 6 le dimanche avec ma mère. Bah, normal, t'as pas la télé. Bah, si. J'ai bien vu la France se faire éclater cet après-midi. Pas en parler. Ok. Des persos. La frappe. Hmm. Ah, attendez avant tout. Non, encore. Essaye de le replacer à juste. Ok, c'est bon, on va se passer. Marteau. Attention. Ponte. Mon groupe va bientôt pouvoir y aller. On y va maintenant. Belle dans 5 secondes. Le CD. Perso. Belle. Les fonds, replacez-vous. Correct. Xu Tuan qui est en fin reste sur Bazo. Ça va, toi, Kamek, ça marche. Vas-y. Sacré Orex, s'il te plaît.
Mon groupe, on se décale. Et tout le monde tout le boss. Suicide dans 10. Un déplacement et le suicide. 3, 2, 1. On bouge, suicide. Ah, ta mère, ta mère. On reste dans 28. 3, 2, 1. On bouge. Vous avez entendu. 3, 2, 1, on bouge. Vous vous mettez dans le coin tranquille, doucement. Dreams, vigie. Et c'est des persos maintenant. Il reste dans 5 secondes. C'est des persos. Prends la de Azu. On bouge pas, on bouge pas. 3, 2, 1, on bouge. Ah oui, on bouge. Sur une gate. Ouais, la gate est derrière. Dispel Dreams, please. 3, 2, 1, on bouge suicide. Mais ta mère. On va être bump. 3, 2, 1, on est bump. On se met contre le mur, shield chronique. On bouge pas. 3, 2, 1, on bouge. Terminé. Des persos là, tout le monde. Fais une sup, s'il te plaît, Néandre sur l'infirme. 3, 2, 1, on bouge. Suicide dans le 15. 3, gate. 2, 1. On est bump, attention, ouais. Foncez les persos, ceux qui restent. Les persos là. Suicide dans 5. 5 secondes. Y'a pas de gate, hein, faites gaffe. Vite, là, la gate. Ah, j'ai suicide. Ouais. Ouais, mais y'a gate. Ok, c'est bon. Elle est là. Vous l'avez. Mais non. Oiseau Nora, ça passe. Ah, punaise. GG Auric. La gate, j'ai du bon, la gate elle est pop, enfin à la seconde elle est pop, j'ai cliqué dessus. Non, enfin, si vous voyez qu'il n'y avait pas de gate, vous êtes parti, vous traînez pas trop vers le cac. Ouais. Non, mais à pied, l'infirme, tu le raid avant d'avoir fait 3 mètres. J'ai annoncé la gate 15 secondes avant. Ouais, c'est pas grave. Mais c'est pas ça le problème, c'est que j'étais en train de la placer, sauf que j'étais bum. Du coup, la première fois, on la refait en mieux sans mort dès le début, là. Enfin, dès le début, je comprends. Ouais, je et on peut pas y aller à pied là, on dessinera à 80% quand ouais. On a l'édit. Non, mais ce que je veux dire, c'est avant l'édit. On pas ce spread avant vu, de... vu que, non, vu non, que non, ça coupe, non, vu qu'il n'y avait pas de guette, vous auriez pu vous spread un minimum sur le chemin qu'on avait déjà parcouru quoi. Parce qu'on a déjà Si on se spread, on meurt. Faut des démos, si on a pas de guette, on meurt, c'est tout. Ça fait pas de dégâts le déplacement enfin à la fin du. Si, t'as encore l'aura. Ouais, mais pas il fait plus non, rien, ça, fait, oui, ça fait moins de dégâts, c'est vrai. Mais ouais, mais t'as l'aura de la P3 avec les dégâts que tu subis. Ouais. Même si l'aura de base fait pas les dégâts. Là, à la fin, je sais pas comment elle fait. Mais... De toute façon, on pouvait pas le tuer, c'était le pool, j'ai eu le suicide. Genre, comment vous voulez qu'on le tue. On a réussi sans toi. Si possible, les casters, limite, je pose les casters question, qui mais... ont fond of corruption, vous mettez vous au cac quoi. Je meurs d'un tic d'un caster qui est trop reculé. J'étais dans la zone d'huile à la limite. C'est. Enfin, je sais pas. Approchez-vous du cac, quoi. Si on a même pas la place de mettre le dernier tic. Comment on peut être trop reculé, je comprends pas. Ouais, j'avoue, je comprends donc. Bah. Comment on peut être avancé si on est trop reculé. Vous êtes pas assez avancé, quoi. Quoi Bah, comme depuis le début, vous voulez pas qu'on parle de strat, vous voulez pas qu'on poule et qu'on le tue, hein. Non, j'aimerais bien comprendre. Comment on peut mettre un tic si on est trop reculé, alors que t'es au cac. Bah, pour le dernier tic du Font of Corruption. Je comprends pas comment on peut être trop reculé. Mais en fait il caste jamais pendant le Font of Corruption. D'accord, c'est soit il est en train de cast et t'attends qu'il finisse le cast et ensuite tu pars et, parce que t'as encore le debuff, soit il a terminé le cast et tu peux partir avant le prochain cast. Mais non, t'as pas reculé, hein. Moi je recule jamais. Hein. Et... Oh, tu fais du gauche-droite.
Bah, Cracked, en fait, c'est déjà ce qu'on fait. Genre, il y a Dreams et bah, Izena du coup qui potent à la fin. Coup de Nora, tu peux, t'as le droit de pote à la fin aussi. Sur ta veille, tu potes. Mais j'avais déjà pote à la fin. Ouais, mais à la base, non, c'est pas ce que t'étais censé faire. Mais du coup, là, tu ah, pardon. Faire... Sorry. Ça passe par Ego. Avance, s'il te plaît. Ouais, désolé. Mais ouais, c'est ce qui se passe, Cracked. C'est pas... Là, c'est on était pas en retard à la fin. Hein. Le boss 5%, c'était 3 secondes de fight de plus. Oui, d'accord. Et... C'est 3 execs, quoi. Ouais, c'est ça, 3 execs. Oh, le mec serein sur son exec, quoi. Le mec, il critique à 2 millions, quoi. Eh, hey, 2 millions, c'est aussi. Il y avait pas eu 3 morts en P2 aussi, je pense. 5, 4, 3, 2, 1. Recule plus à jus. Après ça. Marteau. Et c'est le perso. Attendez. Il va une dernière frappe ensuite on se place. Ok. On peut se placer. J'ai un mage dans la range des cac là. Crack, tu peux faire un pas à droite? Merci. Mais vas-y putain. Elle dans 15 secondes. Mec, réveille-toi. Honte. Il va y avoir décidé perso aussi, ils vont être cliqués. Non BL maintenant. Sur la fin de votre debuff. Honte. Mon groupe, on peut s'écarter doucement. Aurek, ça crie. Fonte. Ça va bientôt être fini. Site dans 25, je sais pas tout de suite. Attention à la gate. Back. Pour le tank. On finit là. Tank bien sur le carré. Hein. La gate va se mettre sur notre droite. 1. On bouge. Vous capez. Site dans 5, 3, 2, 1, on bouge et suicide. T'as le coup? T'as le coup? 3, 2, 1, on bouge.
on se mette contre le mur, on va redouble bump. Et c'est dès maintenant. C'est vers toi. Sacré rec. On bouge pas, on bouge pas, on bouge toujours pas. Et maintenant. On est sur l'AD. On bouge pas. 3. Arthur place une gate. 2. 1. On bouge. On dispelle Nayel. On dispelle Nayel. Suicide dans 25. 3. 2. Rien de divisé. 1. On bouge. Rase le suicide. 3. 2. 1. On bouge. La gate sera le suicide. La gate est au cul du boss. Vous la voyez la gate hein. 3, 2, 1. On va être bump et il y a un suicide. Suicide Nayel. Ah. Gate mal placée. Elle est debout là. C'est quoi qui nous empêche de replacer une gate là pendant 20 secondes? Moi personnellement, quand dit, vous voyez la gate, je l'ai pas vu la gate. Hein, donc elle était au cul du boss, il y en a un fait qui l'a dit. Non, la gate, il y a pas de elle était au cul du boss là. En plus, il y a les gens. Non, je suis mort. Je te note. Ah, mais ça, les gens ils spike tous dessus comme des fous. Bah, essaye de la mettre proche de la porte. Mais le problème, c'est qu'on peut pas la poser plus loin. Ah ouais, non, on pose une flaque. Ouais, c'est ça, mais après. Et par contre, là, il y a beaucoup de gens qui sont morts parce qu'ils se sont fait bump pas contre le mur, hein, vers le. Il y a aussi. Non, mais aussi en fait, on a eu de l'avance, qu'on a eu le suicide en même temps que le bump, ce qui normalement n'arrive jamais, du coup. Un petit peu bad combo, mais. Y a pas de bad combo, le suicide a été très bien fait, Nayel a bien pris la gate, c'est juste que la gate elle est pas assez loin, et la placez pas vers là où on va, placez la vers là d'où on vient. De toute façon, le mec qui prend la gate il va crever, en moins d'avoir une immune. S'il a une immune, même s'il va dans les flats aux F, il prendra pas de dégâts, et s'il a pas d'immune, il va crever, donc il crève dans les flats ou vers là où on va, ça change là. Par contre, quand on annonce genre, j'annonce 25 suicides, 15 suicides, pourquoi on prend pas genre. 5-6 secondes pour bien placer la gate. On s'en fout de DPS, hein, vous savez. Mais hein, elle a été bien placée. Je l'ai placée bien la gate, hein. elle avait non, tu rigoles. Tu lui as dit 15, t'étais à 8 et je lui ai 2,5. Oui, ah, mais là, la gate était bien placée. Pas assez loin. Bah, j'ai un CD après, je peux pas la remettre. Mais la gate était pas mal placée, mais comme je te dis, le seul truc à penser, c'est bien la mettre de là où on vient et pas vers là où on va. Parce qu'effectivement, si parfois la gate est placée un peu en avance, on doit bouger parce qu'il y a une zone, y a pas de souci. Le mec, de toute façon, il pourra toujours atteindre la gate. Mais dans ce cas-là. Si la gate a été placée vers l'avant, bah forcément vu qu'on a avancé, on est presque dans la zone du marteau, donc pensez à la placer vers l'arrière, c'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Donc pour le reste c'est nickel, le RC c'est parfait, enfin y a juste franchement il y a juste ça, faites juste gaffe au gate, tu vois. Allez, on y va. Non, je suis pas prêt. T'as 24 secondes de vrai? Non, je suis pas prêt. Faut pas en 24 secondes tout faire. On va attendre les démos, leur shard. Avance un peu, Zilla, s'il te plaît. Bon pour moi. Mais attends, il y a un shard des démos. C'est bon pour moi. Bon, ok, on peut y aller. Longtemps.
leur un marteau. N'oublie pas de céder perso maintenant. Ray. On se replace tranquillement. Dis le marteau. Il y a un mage dans la range des tanks. Allez perso. Fonte. Passez correctement les fentes. Hein. Il est explosant dans le rêve. Fonte, mettez la caméra bien au-dessus, vous verrez bien si vous pétez dans le rêve ou pas. Et j'annoncerai pour mon groupe là bientôt. Et le 30 secondes. N'oubliez pas, ça coïncide avec le marteau. Doucement. Dispel Nora, please. Et nice. Sacré rec. Fonte. Là. Et elle 15 secondes. Je j'aurais pas. Rec mal voilà. Placé, un reste sur frais. Ah, j'ai pas eu le temps de me parler de ça. On va full CD perso. Non mais. Ok. On a une minute 30, ça va être. Bon groupe, on peut bouger. Il se fait le canon. Non, bon, ouais. C'est relou. C'est les fontaines qui nous ont tués là, non? Oui, enfin, moi, c'est quelqu'un qui est resté dans le raid. Chorizo, Harry. Non, Chorizo. Ouais, Chorizo qui m'a tué. Moi c'est enfin Chorizo Xuizi donc Vous avez tous la Wigra pour le timer du Font of Corruption. Non. Il a pas. Peut-être oui. Qui et me dites pas que vous avez pas le temps de vous dépaquer hein. C'est un 3 secondes avant vous dépaquez hein. Et puis vous revenez dans votre groupe à gauche après une fois que le cast est fini. C'est pour ça que je dis à mon groupe à chaque fois. 5 secondes avant je vous dis de vous dépaquer. Et ça dépaquait, vous restez dans le gros. Dans les 5 dernières secondes, elle va refaire un cast, et à ce moment-là, ce qu'elle a fait, c'est que c'est safe, vous pouvez repartir dans le groupe. Enfin, vous voyez quoi, il vous reste 2 secondes sur votre debuff, elle vient de cast, enfin, vous avez un Big Wigs, vous regardez votre Big Wigs, le prochain cast est en 3 secondes, c'est que c'est bon, vous aurez plus de debuff. Non, mais je crois qu'en plus de Big Wigs, il y a le jeu qui fait une annonce spéciale quant à ça, parce qu'il y a un. Moi, c'est. Ouais, on est d'accord. On est d'accord, il y a le son qui fait du. Parce que c'est. Moi, j'ai un son en plus qui me fait peur. Non mais il y a Big Wiz qui annonce aussi quand elle fade au bout de 5 secondes. Bah c'est ça. Ça fait un son et à ce moment-là vous regardez, c'est... vous la laissez faire un casse et vous parlez. Ah, et Frigg, il se passait quoi? C'est quoi? Il a voulu doter l'AD. Non. Bah je t'ai vu t'avancer quand l'AD a pop, t'es venu dans ma zone. Non mais j'avais déjà le debuff, juste que j'allais me repoquer là où il fallait que j'aille mais j'ai pas eu le temps de le faire c'est tout. Mais t'as pris t'as bien le debuff, si t'as le debuff t'as pas pu mourir avec une connerie comme ça. Non mais je me comprends. Non ton debuff est parti et t'es resté. Mon debuff est en train de se barrer, fallait que je retourne à l'endroit où on se met d'habitude là, sauf que j'ai pris des tics des autres avant. Ok. T'as fait pas de gaffe quoi. Du coup on fait un BR et l'infirme après il meurt, ce qui arrive plus souvent. Ah c'est un fait à la con, c'est le premier de la soirée, vous avez pas en parler. Ouais, pas si. Non c'est le deuxième, t'as mis une frappe pendant le marteau. Ah, ça... Tout ça pour prendre un Searing Blast derrière. Troisième. Et Jakun. Cool aussi, en effet. Faut pas l'oublier celui-là. Moi, je demande une semaine de repos. Allez.
Ah, comme ça, je pourrais squatter Star Wars. On va être beaucoup être un. Lequel? C'est Battlefront? Ouais. C'est pas vraiment une mission pour lui, hein, celui-là. T'es sur le groupe Facebook, Frigg? Oui. T'as vu la vidéo que Nora il a mis? Non. Elle est trop bien. Juste. Ouais, j'ai voir ça. Ouais. J'ai plutôt ta gate comme ça, attends. Pour la suite. Comme ça, si je meurs, il y en a une encore là. Et il y en a une au suicide là-bas. Oh merde. Pas bête, ouais. Voilà, quand il y a toujours deux gates pour le deuxième suicide. Sur la droite, on a pas besoin. Hein. Des cas, bah, je sais pas, à la fin, il y en a toujours une dernière. Toujours une, mais vous la sauvage vers 3%. Non, mais pas c'est chaud, honnêtement. Bah. Vous la remettez au dernier moment, quoi. Je veux dire, vous la mettez, vous la précastez. Ah, franchement, si on meurt pas, la verte là-bas, c'est son rôle, par contre. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. On peut y aller. Alex, Azu. Je t'avance un peu, s'il te plaît. C'est parti. Non, ça pique sous plomb là-dessus. En plus, c'était trahi du lorac ce soir. Ouais. Ah, être un peu tard, ouais. Oh, je suis trop con. Bien. Non, non, c'est Hugo, un truc aujourd'hui que je devais faire. Des persos, la frappe en durée de plaise, parfait. Putain, sérieux, Dream, comment ça arrive là? Ça, on a de l'avance au DPS. Après la frappe, on ira se passer. Marteau, c'est dire. Là, vous mettez votre caméra au-dessus de perso pour voir si vous êtes bien placé avec les fontes. Ponte. Hein. C'est écrit Rec. Ponte. Attention, ça va faire mal. Non mais... Bon bah ouais. Ouais, quand même. Non, ça fait chier l'infia. Il n'acceptait pas. Libérez pas. Et ne libérez pas. Ne libérez pas. Il est tombé. Non, non, c'est. Non, non, mais c'est ça, ouf, enfin, ça devient un peu chiant à force, quoi. On meurt de quoi là encore? On meurt pas, juste les tanks meurent, c'est tout. Je sais pas, j'ai un problème.
ce qui tue un FIA, c'est pas le boss qui le tue. Hein. C'est quoi? En fait, c'est notre groupe qui était à droite, qui a pété sur un FIA, il est mort, il s'est fait OS. Ah, parce que... Bah non, nous on est à droite, nous on est tout le temps au même endroit sur tous les poules tout le temps, donc... On est tout le temps par rapport au boss sur la droite, voilà. Enfin, on peut pas faire mieux. Et la technique de mettre la caméra au-dessus de votre perso, ça marche bien. Hein. Genre, vous dézoomez au-dessus, vous voyez parfaitement où sont placés tous les fonds, et vous savez si vous êtes bien placé ou pas. Et vous avez un slash range aussi. Avoir des Wikora pour ça ou quelque chose, quoi, mais... Vous avez un truc vachement pratique qui s'appelle slash range aussi. Et vous voyez les gens qui sont dans votre range. Tellement de trucs pour pas slacker, quoi. Ouais. On peut aussi télécharger des bots aussi pour jouer. Ouais. Ouais, parce qu'il y en a qui se font ban après avec ça. Oh, on s'en fout, mais au moins on tuera le boss. Let's go! On tue le boss maintenant, je donne 10 P à chacun. Ah, oh, mec! Putain, ça vaut le coup! Arrête de prendre par les sentiments, Krebs aussi. Maintenant, tout le monde a envie de tomber. 5, 4, 3, 2, 1. On avance. C'est pas des épées. On fera deux frappes. On va se placer. Yes. Marteau, c'est des persos. Placez-vous correctement, tuez pas les tanks. Fonte. Et attention. Placez-vous vite, ça va pop, pad. Doucement. Elle dans 20 secondes. Dispel. Et mon groupe, on peut y aller. Il y aura aussi des CD perso pour le marteau maintenant. Non, BL. On va sur un fair play. Pique. Avec le rec.
Voilà le mec. On perd du bzou. On spack. T'as un langue, d'où? Ouais, il y a ça. On spack. Milad. Dans 8 secondes de suicide, on va avoir 2, 1, on bouge. Suicide dans 3, attention. La gate, vous la voyez. Suicide Andro. Andromède. Andromède. J'arrive pas à cliquer. 1, 3, 2. Un tel carac. Attends, attends, attends. Remontez tout le monde. Aurex, ça crie. 3, 2, 1. On s'appelle Nora vite. Très vite, mec, carac. Mais combien là, non? Attention. Dispatch de l'autre. Attention. 2, décédé. 1. Ça va être bump. C'est des persos, tout le monde. On reste dans le mur. On reste dans le mur. On est sur l'ad. Mais putain, je peux. Arrête, arrête, arrête. Ouais, 1, on bouge. Packez-vous. Rien de léger. 3, 2, 1, on bouge. Vous mettez pas exactement contre la grille parce qu'il y a une. Il y a une drape et une sup. 3, 2, 1, on bouge. Et là-bas, il va y avoir un suicide. La gate, vous mettez pas dessus. Elle est contre la grille. Maintenant, si. 3, 2, 1. On est bump. J'ai le tronic. Elle est mort de merde. Arrive vers une braque, Olympia. 3, 2, 1, on bouge. Mourrez pas. Une assiste Nora là. 3, 2, 1, on bouge. Perdez personne. C'est bon. La faire. Elle est pas mal. 2, 1, on bouge. C'est bon. Prochain, c'est full CD perso, on se met contre le mur. Ok. Dispatch sur réseau, please. Full CD perso contre le mur. 2, 1, tous les CD perso qui restent. Et tuer le boss, c'est fini. Ah, c'est bon, c'est fini. Je vous déconseille de faire ce fight en démo. Hein. Putain. Oh putain, mais même pas en Warforge quoi, sérieusement là, n'importe quoi. Too easy lol. Le mec, il chouine même pas en Warforge. L'enfuir, l'enfuir. Tire-toi une balle, putain. Ça n'empêche, je fais des PS 140k, Crax. Putain, tu vois? Vas-y, que GIF, c'est pas si mal. Oui, de toute façon, c'est pas nous. GG Canox pour le fait. GG Bazouzou et GG Meidi. Moi, je proc peur. Ferme ta gueule. Oh putain. Attends, j'ai pas répondu. De toute façon, je passe. GG Eldric a respecté la strat, hein, il a pas switch sur l'ad et tout. Ouais. Mais j'ai tapé dans l'imminent. Moi je t'ai dit, Meili c'est fini, j'ai la prochaine extension. Recrute. Non mais. Si tu veux passer chez Amelio. Lol. Chamelio quoi. Non mais la vraie strat ouais, c'est de claquer sa pote tout ça à ce moment là, mais c'est cramé. Ouais non mais moi ça m'intéresse pas un scada où tu regardes le 15ème. Mais tu parles tout seul là? Non il parle à Meili. Qu'est-ce qu'il y a Dreams? De plus un ou autre sur les loots? Bah Dreams sur 4 si vous voulez mettre plus un genre... En fait je sais pas. Tu méritais pas. Tiens. Sur les tissus, sans fil. Je pense que c'est ça qui peut t'intéresser. Et en fait, le truc c'est que... Enfin, je sais pas, le truc que je mets en 725, ça me donne 228 de force. Et celui à 318. Ouais, parce que les 730, ils ont vraiment un ratio de maboule par rapport aux autres. Genre... Ça coûte. Si tu regardes les armes 730 ouais. Par rapport aux armes 725... C'est un bis pour toi la ceinture. Regarde. C'est une ceinture. Non, c'est pas mais une ceinture. Du coup, je craque dessus juste pour les brassards, pardon. Ah ouais, c'est un bis de chez bis, ultra bis même. Pourtant, regarde la différence d'high level. Il y a 4 high level et il y a 32 DPS. C'est nimp. 20 en fait, déjà. Oh là 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 quoi. Putain, easy.
Oui, tu fais chier là. Pourquoi tu veux quoi? Mais le bijou. Ça t'intéresse ou pas les... En spé combat, j'ai rien. On fait quoi? On va sur Xelorek? Bah, limite, je sais pas si c'est possible. Je te fasse le bijou, mais. Parce que j'ai crack sur les bottes, mais je pense que Chorizo. Non, il y avait quelqu'un d'autre au-dessus. Oui, il y a Chorizo, je pense, non? Attends. C'était moi, Easy, c'était Xo. Je te déteste. C'est Chorizo, il a dit 700. Hein. Ah, il les a eu au pool d'avant, je crois, Chorizo, non? Ouais, je sais pas, le trinket, je crois, il a... Bon, tu fais exprès de pas répondre, Dreams, au loot en plaque ou. Enfin. Ah, mais Chorizo, ouais. Tu les as pas? Enfin, moi je les donne à Chorizo, hein. Les bots. Ouais, je laisse Amélie. Ok. Est-ce que tu te balades avec des bots 700 vraiment dans un raid multi? Attends, je te les donne, hein. Bah, moi j'ai. Voilà qu'un petit truc là bien sympathique, hein. On parle pas assez, mais. Je suis désolé, Dingor, hein. J'ai tout fait, j'ai breloc pour le loot ou quoi. Mais pareil. regarde ce que j'ai en. Comment économiser 3000 GP quoi. Comment besoin parce bah, que c'est pour Jules derrière, il me faut un stuff combat opti, mais bon. Après, je vais essayer de rappeler les Blade fait... Master en héros. J'ai payé 4 armes différentes sur le runage, sur le progrès HM, mais j'en ai pas encore payé 2 en utile. Ah putain, ça coûte, t'as eu, c'est marrant, mais en même temps, c'était sûr, c'était toi qui. Non, non, Chorizo, t'as du 600, ça, c'est pas. C'est ouais, mais Chorizo, il a du 600. Ouais, il a abusé. Sans ça, je l'aurais pas pris, dis-toi. Non, s'il faut les donner à quelqu'un, les bots, c'est à Chorizo. Ou pas. Ouais, je crois que Chorizo, il a 700 high level, ouais, du coup. Ouais, mais il a des bots 700 quoi donc. Ouais, je lui ai donné Bazouzou. Ouais. Faut en remettre les EPGP. Non, mais t'inquiète, Zoui, oui, c'est off, t'inquiète. Zoui, il a son petit poste. CGP, c'est monté, c'est descente, t'inquiète. Moi, j'aimerais bien demander Eldri, il a eu le marteau à la fin. Sauf qu'Eldri il pote au moment où c'est utile et il pote pas à la fin. C'est sur le c'est pas Crax. Bah, c'est sur l'exec que j'ai pote, hein. Et on a dit à Nora et Owa. Parce que du coup. Bon, là... Après, il faut dire que aussi, il y en a qui prennent la peine de DPS LAD à la fin. Bon, ça va, il a clip dessus, les gars, soyez pas méchants. Non, je taquine. Non, mais ouais, Eldri, la troisième phrase sera la bonne. Hein. Ouais, je sais pas. Mais... Putain, je suis premier alors que je dois poser une gate, hein, les mecs. Oh là là, ça craint quand même. Tellement honte de pas avoir switch. En plus, je switch à chaque fois et là, je sais pas ce que j'ai. J'étais concentré sur autre chose et j'ai pas switch. Non, mais 89 t'as les boss, ça craint. Ah, à l'avenir, Eldri, tu continueras, tu ne switcheras pas. Visiblement, on tombe les boss. C'est quoi? Qu'est-ce que t'as dit? J'ai regardé ma cible, j'ai jamais switch sur VAD donc. Non, mais ça veut dire que t'as tapé le boss avec 10%. Oh non, mais vraiment. Bah ouais. Moi je croyais que c'était un troll. Non, non, c'est pas un troll. Bah non. J'ai vraiment tapé sur le boss comme un autiste. T'es où pourtant, même pas de toi. Mais bon, du coup, je voulais une bague sur ce boss, je les breloque. Je voulais une cape sur le boss d'avant, je les breloque. Tout se passe bien. T'es sérieux? Oui. Putain, après, je les breloque en Warforge. Je l'ai pas eu en Warforge avec une chasse. Oh. C'est pas parce qu'il joue mage et lui à Medio, c'est parce qu'il sait jouer et pas lui. Ça a du sens. Non, je rigole trop. On cherche un démo pour la team des filles, c'est un démo qui sait jouer. Mais mec, je te carry en rock, ça y est. Un démo qui sait jouer et qui mouche. Du coup, je te laisse chercher, je t'en retrouve plus tard. Tout à l'heure. C'est Red Off en fait, vous pouvez vous barrer. Vous pouvez vous barrer. Cassez-vous. Non, mais parce que je vois tout le monde reste là. Cassez-vous. Les loot de quoi? C'est pas fini, loot? Quel loot? Putain, ils me disent de réparer mes items avant de les poser dans ma banque du vide, quoi. N'importe quoi. C'était le confirme, ouais, tout à fait, mais. Du coup, voilà. Bonne soirée. Bonne soirée. User disconnected from your channel. Je sais pas comment enchanter ma bug. Là je me casse pas. Aussi, je vais aller gueuler sur mes voisins, ça me passera le temps. Noirage. Disconnected.
Mais y'a plus que toi. Y'a Joe qui a des soucis avec ma belle. Ah. J'ai failli casser mon bureau. Ouais. Il arrive quoi avec ma malle? Mais c'est jamais impossible de se reconnecter. J'ai marqué ça? Bah j'en sais rien moi. Moi lui. Pareil, Kato elle a pas traîné bien longtemps ce soir. Ouais, mais elle se relève demain à 5h. En fait, ils ont... Je savais pas. Ils sont en train de faire les préparatifs pour leur mariage. Oh. Ils se marient à l'église en décembre, là, et en juin prochain... Non, c'est l'inverse. À la mairie en décembre, l'église en juin. Ouais, faut comme s'ils faisaient deux mariages, quoi. Non, je pense qu'à la mairie, doit faire un truc vite fait. Oh oui, je pense aussi. Bon, les œufs de dodo, j'arrête. Quoi, j'aime pas trop la porte des piafs qui reste grande ouverte. Ah ouais, c'est ouvert. Moi j'ai refermé le jeu tout à l'heure. Sérieux? Dans un resto? Mets ça. Regarde. Attends. Merde, ils montreront peut-être plus. Les putains de cafards morts, peut-être des produits d'entretien, tu sais. Regarde-les. Oh. Dans un restaurant, quoi. De toute façon, tu t'aimes pas trop quand ils rentrent dans la tour à piaf, mais on peut y rentrer par l'ascenseur. Hein. Non. Par le haut. Quand le truc est tout en bas. Hein? Ah oui? Personne qui arrive en piaf. Oui, mais s'il tombe. Ouais. Il est baisé. Oui. Hein? Hmm? S'il tombe, il est en bas avec nos aigles et il est content. Il peut plus bouger. Bonjour. Monica ordonne la destruction immédiate des denrées. Plusieurs kilos de viande
Et si je monte sur le corps de BN? Ça marche pas. Il est complètement déco, je pense. Sinon, il relance les PC. Je pense, ouais, qu'il fait ça. Bon, alors. Mégalodon Saddle. Est-ce qu'il y en a une autre? Ch'ti, ch'ti. Putain, on a 3 Mégalodon Saddle. 35-5. La durabilité, on s'en branle, hein, je crois. Je vais dropper celle. Hein. Enfin, tout ce qu'on a en double, je vais y virer. Là. En kilo, on en a qu'un. Primitive assaut, c'est bon. Les trucs en chitine, je dégage ou pas? Oui. On a les gants en double et tout en chitine, quoi. Il est dingue. Ouais.
HT Saddle. Ouais, on va à 3 quoi. Ah. S'il te plaît, on a 3 portes en métal. Pff, n'importe quoi. Bonjour, on a ramassé sans vraiment trop faire gaffe. Allo, allo, allo. Je maudis Bouygues sur 12 générations. Tu maudis quoi? Bouygues. Ah. Ma connexion tombe à peu près toutes les 5 minutes. Donc là, je suis sur le téléphone. En fait. Je suis sur la connexion 4G du téléphone. Ah oh bah d'accord. Non, mais juste pour le temps d'aller mettre le perso. J'ai failli faire mourir Flying Joe. D'accord. Parce que ça m'a déconnecté quand j'étais dessus en plein vol. Mm-hmm. Et quand j'ai réussi à me reconnecter, du coup, il était genre 50 mètres plus loin, en train de se faire bouffer par 5 ou 6 kilos. Oh putain. Et il était à moitié vide. À moitié vide, c'est un truc de... En attendant, ça nous permet de tester une connexion 4G. Ça permet quand même de jouer à Ark et de parler sur Mumble en même temps. Mais tu vois, j'aurais pas pensé. Si, 4G chez nous, ils la prennent pour jouer à WoW des fois, ça marche bien. Ouais. T'as besoin de blueprint ou pas, Joe? A priori, non, pas pour l'instant. Tant mieux, j'espère que t'as quand même une bibliothèque parce que je vais te filer une autre. Ah bah écoute, y a pas de soucis. Je ne sais plus quoi faire des nôtres. En train de faire le tri dedans. Mon Dieu. J'ai une bibliothèque, y'a pas de soucis. Non mais on a 4 trucs de celle de Stego quoi, putain. C'est n'importe quoi. Ouais, on aurait fait du vide déjà, avant. Pour virer les doubles. Hein. Là. Voilà. J'ai viré 41 blueprints qu'on avait en double ou en triple. Alors, content de rejouer un peu? Ah oui. Mais Thomas Mouti n'est pas mort. Ben non, c'était pas une blague. Putain, je voulais que tu stresses, apparemment t'en as rien à foutre. J'ai fait bon bah tant pis. Ben non, c'est pas ça, c'est qu'après t'as été déconnecté. Alors faut savoir. Mais du coup si, parce que j'y ai pensé. Comme j'ai dit à Marion, j'ai dit après je l'imaginais. Je m'étais dit merde, je vais le laisser en passif en fait. Donc j'imaginais se faire bouffer, tu sais, par des bestioles en passif. Il aurait pu être bouffé. Il serait mort dans une fausse souffrance. Exactement. Avec cette incapacité à pouvoir réagir. Et où ta bibliothèque elle est là? Ouais, même toi c'est pareil, c'est blindé. Oh, y a de la place encore. Mais il faut que je fasse du vide aussi. Bah, attends, t'as pas un coffre qui te sert à rien des fois? Ingrédients, si, basique. T'as des coffres en haut, deuxième étage. Comme ça, tu feras le tri aussi si tu veux prendre les trucs dedans. T'as des coffres. Putain, il y a pas assez de place dans un coffre. Là, depuis peu, on s'est mis à regarder tous les drops qui traînaient. Ça faisait complètement chier ces derniers temps. Du coup, on a récupéré un nombre de choses, un nombre de blueprints assez effarant. Bon et Marion, t'as fièrement dit qu'on a réussi enfin via la fondation après 3 semaines de galère. Ouais, exactement. Il a fallu parler allemand et tout. Ouais, ouais, faire traduire et tout. C'est bon, j'ai vu que ça s'est agrandi donc en face. Non, en face, il va y avoir un chantier dans pas longtemps. Enfin, pour là, d'ici mercredi, il va y avoir un de ces chantiers.
Ah, de toute façon, c'est tout ce que demain tu vas passer un sacré coup de fil à Bouygues. Ouais, je pense, ouais. Bouygues, ça fait un moment que je suis là. Et on entend la télé, hein. Tiens, tu l'entends plus. Ah, fuck. Ah, le saut raté dans la flotte. Ouais, t'as fait ça et t'as pas mis de rampe de l'autre côté, quoi. Ah bah tiens, tant que t'es là avec le piaf, j'ai bien tu... Je viens de te chercher ? Non, je parle JB. Ah d'accord. Je venais de monter sur mon piaf aussi, je dis tiens. Merde, tu sais, attends, c'est pas ça que je voulais drop. Je vais aller faire un peu de viande pour le piaf. Bon, elle t'a dit aussi, on a thème un méga singe. Oui, mais j'ai vu les deux là, singe de fou là. Enfin, y en a un qui est gros costaud. Tiens. Security guard là avec leur uniforme. Faudrait... Merde. Putain. Chier. Le premier, on l'a fait un vendredi soir, donc le lendemain. Enfin, moi c'est ça, Marion travaille d'après-midi, je crois. Merde, je vais pas me poser. Et moi je travaillais, bah, du coup je partais le matin, je me levais vers 7h moins le quart, je crois. Et on a trouvé un gros niveau, on s'est dit bah c'est bon, on va le faire, on a l'équipe belle et tout. Ouais. On a commencé sur les coups d'une heure du mat, pensant que ça allait pas prendre longtemps. Ça s'est fini sur les coups de 2h30. J'étais au fin fond du lit, je dormais, Marion m'appelait de temps en temps dès qu'elle était dans la merde pour que je vienne la choper ou quoi. Du coup, j'arrivais à un moment, je dormais complètement. J'entendais JB. Putain, je me suis réveillé, la tête empâtée, je me disais, qu'est-ce qui se passe? Je me suis levé du lit, je me suis calé derrière le PC, j'avais mal les yeux à peine ouverts. C'était affreux. C'est le high level ? Ouais. En même temps, mais t'as fait ça juste pour mettre un générateur, d'accord, ok, carrément quoi. Et ouais, moi je blague pas. Tu sais qu'on pourrait limite mettre Je compte mettre de l'électricité et tout là. Oui, bah je me doute bien s'il y a un générateur. Tu veux mettre quoi comme électricité ? Tu veux juste mettre un frigo ? Un frigo et peut-être quelques lampadaires sur le pont, ça peut être joli. Ah oui. T'as pas fort tirer le câble. Mm-hmm. Super. Et comme ça, Katou, elle en aura aussi. Et puis les bontos là-bas aussi. Bah, on va pas faire un réseau électrique qui veut jusqu'à chez Katou, là, si. On peut mettre sur Bronto un générateur. Je sais pas. Oui, et puis comme ça, il va falloir regarder tous les générateurs tous les 4 matins pour savoir lequel a plus de. Oh, par contre, je me disais là. Farm, on pourrait pas mettre, admettons, un truc pour mettre des trappes avec une échelle qui descend dans l'eau. Si. Comme ça, on a juste à descendre comme ça avec l'échelle, on remonte avec l'échelle là. Oui. Voilà, à peine je t'enferme dedans. J'avais mis le générateur, j'ai vraiment pas collé au mur, mais le premier que j'ai mis, j'ai dû le détruire parce qu'il était passé de l'autre côté. C'est pas pratique. Ouais. C'est pas pratique comment t'as posé le cuicui là. Bah ça y est. Oh merde. Putain. Ah, qu'est-ce que tu fais? Mais j'étais bloqué dans le cuicui, du coup je spammais le jump et d'un coup ça a débloqué. Ah, son Joe, c'est tout ce que là tu dors pas de la nuit là. Mais bon, pas tout de suite on va dire. Ça dépend, cela dit, parce que je suis en train de bien niquer mon forfait 4G. En même temps, c'est la faute à Bouygues, donc du coup, on va rajouter des gigas sur mon forfait. En tout cas, c'est ce que je veux. Je suis un peu crevé, ça a été assez intense. T'as donné à manger à tout le monde ? Mmh. Ah cool. Il y a un paquet de raptors à côté de mon ancienne base là. J'aurai la motivation, j'ai rentré ta mère. Oh putain, il y a le Quetzal enfin là-dedans. 25 kibbles le niveau 8, Marion. De quoi ? Un Quetzal niveau 8, 25 Quetzal, c'est ce qu'on avait fait moins nous. Moins ouais, 21 je crois.
Après, c'est le truc encore expérimental. Ouais, je sais pas. Quoi? J'espère que c'est expérimental. Quetzal 120, c'est 111 kibbles et 5 heures. Ah. Et après, je pense que tu te retrouves avec une brute. Ouais, j'ai tué déjà 3 raptors, j'en ai deux autres qui... 3 autres là que je vois. Attends, j'arrive, je vais les endormir, j'entends ta mère. Ah bah écoute... raptor, non, y'a plus de place. Bah si, raptor femelle, ça se fait. Bah arrête, ils sont pas collés là, tes raptors, tu peux encore mettre le double. Vrai ou pas? J'en ai chié pour les mettre. Ouais, mais je me doute, mais du coup, je me ferais chier à les mettre. Ouais, là, t'en rentres encore le double facile. Bon, le triple, ouais, peut-être le quadruple. Mec, ils s'enflamment. Mais... T'as pas dû. Mon ancienne base, y a de quoi faire. Pauvre nouille qui a été peinte, putain. Après, le bleu ciel, quoi. Elle est très belle. Non. Tu peux pas dire qu'une grenouille bleu ciel est très belle. Si tu veux. Attends, hop. Ouais Joe, si tu veux une armure en fourrure, il y a tout ce qu'il faut dans notre smithy. Hein. Ah cool. Toute la fourrure. En disant qu'on a fait le stock à une époque. Bah à la base, comme c'est toi qui avais les autres parties de vêtements, bah je t'avais farm exprès. C'est trop sympa. Ce qu'il faut pour le retour. Il faut que j'aille voir votre base, votre maison. Voilà, mais... Plan travaux. Ouais. Mais le problème, c'est comme là, on a réussi à virer la fondation de l'autre côté, les travaux de la neige vont pas être finis avant un petit moment. Mais... Moi, j'allais la ranger, tu la veux? Oui. Pardon. S'il te plaît. Moi, j'adore la grenouille pour me trimballer dans la... J'ai pas essayé. Dans la base. Moi, je suis trop lourde. Ah, je te le dis tous les jours, je te le dis constamment, ça. Donc d'un coup, tu montes sur une grenouille et tu t'en rends compte. Quand même dingue. C'est quand même dingue. Bon, t'as vu que c'est devenu un gros bordel au niveau des accès des spinos. Ouais. On a un gros souci de place maintenant. C'est clair. Bah, Marion avait trouvé une base et elle me fait ah ben on va aller regarder vite fait et tout ça. Et c'est qui ce piaf là qui vole? C'est moi. Ah, mais non, bah le deuxième du coup c'est pas toi. Ah, le deuxième c'est pas moi. Pour ça, je voyais arriver tout droit, je me dis ben. Mais je voyais personne dessus, je me dis c'est quand même bizarre cette affaire là encore. Non, Marion me fait ah, mais machin et tout ça. Enfin, on va jeter un œil tous les deux. Puis elle me fait, on va pas prendre grand chose. Il y avait quoi? Il y a Katou là, du coup, ce côté Bronto là. Elle nous disait qu'elle voulait un Rex, je crois, non? Pourquoi elle est partie là? Où ça bougeait là? Est-ce qu'il y en a un autre? Il devait y avoir l'oiseau. C'est ouais, qui a bougé? En fait, quand il a bougé, plus ça bougeait, mais l'oiseau était mort en fait déjà. Non, même elle a dû aller choper le cadavre. Bref, donc pardon, je t'ai coupé, ouais, donc vous avez pris au final. Au final, on s'est barré, on a coupé quoi? 2 mammouths, 2 rex, 1 trike, non, 3 trike, 4 trike. 2 un stego, un carnot, enfin tout un bordel. J'aurais besoin de toi. Oh non, je suis parti là. Pour faire quoi? T'as besoin de quelque chose, celui-là, un oiseau. Mais bouger en fait à la petite maison sur le pont. Hein. Bouger le corps de Ben, j'arrive pas à le bouger, j'ai besoin de construire un truc en dessous. Ah, tu veux que je le tire? Ouais. Si tu peux. Attends, je voulais tamer un raptor, mais. Je pense. Bah, je dis, il y en avait pas mal, je me pose. Ah, mais c'est là où je suis. Ah merde. Ah, mais c'est un mâle. Oh putain. Vraiment, les mâles. Tu peux le faire. C'était pour le rappeler, c'est ça? Ouais. D'Avignon. Dans la petite maison, ouais, il y a bougé le corps de Ben. Bien sûr, j'ai des screens magnifiques de cette soirée, d'ailleurs, on acclame des dinos. Ouais, je lui ai montré déjà. Tu lui as montré? Ouais. C'est génial. Allez, je peux te jurer qu'à faire le trajet, j'étais pas serein, serein. Ce je voyais que dalle devant moi, je me disais, putain, s'il y en a un qui tombe sur la route, je suis dans une merde. C'est qu'une fois, admettons, si c'en est un qui est sur un bord qui tombe, c'est-à-dire que derrière, faut virer à tous les autres.
Pourquoi, ah cool, ouais. Merci. C'est marrant que tu puisses le faire et pas moi. T'as peut-être essayé ou t'as eu un lag ou... Je pense, ouais. Et je l'amène où oh, tu peux le mettre de l'autre côté, là, devant la mangeoire. Dans la petite maison, sinon, si quelqu'un passe, il va le tuer. Noie-le. Ouais, non, je le mets dans la maison, oui, c'est ça. Ouais, ouais. Non, noie-le. Ah. Il y a une femelle carne au niveau 12. Ne meurs pas! Non! Je vais te tamer! Voilà. Alors maintenant, la mission, ça va être de tuer tout ce qu'il attaquait sans le tuer lui. Alors, l'oiseau, t'es passé où, l'oiseau? T'étais en follow. Voilà, l'oiseau. Vas-y, mange. Mange le carnot. Ah, régène ta vie. Non, barre-toi le chat. T'es peut-être pas un carnot, t'es un chat. Ça m'a fait drôle quand même de retrouver Flying Joe à moitié vide en me relevant. Oui, donc en fait il faut rejoindre les deux bases là. C'est ça, c'est ce qui va se passer maintenant. Alors un carnot, j'ai dit niveau 12. C'est pas bête. Là, qui mais plutôt pas mal. 8. Mais faire une petite échelle quand tu tombes dans l'eau comme ça. Ah oui, c'est pour rentrer dans la maison. Oh là, oh là, oh là, oh là. Non, 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 j'ai pas fait ça. Ride. Putain, il veut me bouffer sans vouloir taper sur le Rex. Barre-toi. Oh, Marion. Quoi? Quoi? Ah, regarde, enfin là pas tout de suite parce que je me suis perdu. Là. Bon, il est niveau 12. Il a les ailes comme tu veux et tout. Parti où le carnot là? Ah, il est parti bouffer. Bah, il est trop beau l'oiseau blanc là. Bah, Marion, on avait trouvé un. Comment dire? Blanc en fait avec juste les ailes, en fait le bout des ailes un petit peu. Orangé. Que je l'ai tué. Il était vraiment beau, ouais, avec mais. Une flèche. Une flèche dans la tête. C'est parce que Katou avait déjà bien amoché avant et je savais pas. Et j'ai pas fait vraiment gaffe au sang. Et voilà. C'est tout passive. Il va falloir combien pour l'endormir, tu penses? Comment j'ai fait pour ouvrir la porte à cette distance? Je pense qu'il doit y avoir des pilules dans un. Marion, est-ce que t'es occupé? Non, quoi? Tu peux me faire 8 kibbles dans kilo? Oui. Merci. Une femelle carnot. C'est pour la bonne cause. Quand je dis ça, je vais peut-être même pas avoir assez de fléchettes pour l'endormir. Ça demande combien d'ailleurs, oh, dis donc. Ça galère à s'endormir, hein, putain de carnot ou quoi? En train de manger en même temps peut-être. Mais c'est ce que je me demande. Attends, j'ai pas trop envie de tirer dans le Rex. Il y a un lag. Ouais, gros lag. Ah. Mais putain, il est passé dessous, il va falloir que je descende pour lui tirer dessus. Voilà comment il est passé dessous, il s'est endormi. C'est bien, brave petit carnot. Un carnot niveau 12 femelle, je me dis ça peut toujours être sympa. Surtout à partir de mardi prochain. Pourquoi? Bah ils pourront faire des petits, tu les verras grandir. Le carnot ça fait des œufs. Ah ça fait des œufs, oh merde, bah tu les verras éclore.
Non mais là on a pas mal de trucs qu'on aimerait pouvoir faire mais... 8 ouais, je t'ai dit 8 hein. Ouais 8. Pour 30 minutes. Après je vais me coucher. C'est que du coup on s'est fait une ferme de raptor. Kick raptor pour pouvoir faire des œufs de raptor. Pour pouvoir faire un mammouth 120 de C4. Faut qu'on fasse un Quetzal niveau 120 aussi un de C4. Bah, vu qu'en plus il y a une qui tourne. Et qu'ils ont... personne n'en a vu aujourd'hui d'ailleurs, je posais la question tout à l'heure. Putain, c'est un moustique que je viens de voir passer chez nous là. Ça se passe comment? Hein? Putain, l'espèce de gros truc qui volait, ça ressemble à un moustique. Ah oui, c'est un moustique, je le vois aussi. Mais oui, je vais le tuer. Allez, F4, tuage du moustique. Tiens. Je répète, le moustique est mort. Mon Dieu, il était sacrément gros. Bon, mon téléphone, où est-il? Là. Alors, calculatrice. Non, pas horloge, calculatrice. 80 fois 8 moins 2600. On descend à 1960, voilà. C'est tout. Mais remarque, oui. Là, j'ai trouvé pour faire du touch, au fait, prendre le gros singe, c'est carrément plus rapide. Si tu cours partout comme un gros gland et tu défonces les arbres en un coup, voilà. Donc le bronto, faut le sortir, faut te mettre au milieu des arbres, ça te prend une plombe.
C'était où? Dans la montagne en sortant un peu à droite. Là, si tu... Là t'as la forêt. Là t'as chez Joe. Voilà, en gros. Ça fait comme ça. Tu devrais me voir par là. Un peu derrière, un peu, continue un peu. Non, sur ta gauche. Voilà, continue par là, doucement. Continue. Pourquoi je ne te vois pas? Je te vois. Ah, peut-être un peu basse, ok. Je les mets dans le T-Rex. T'as du mot, dis donc, ce soir. Interception. Le retour. Il a revécu. Merci. Ouais, je me dis une femelle niveau 12 comme ça qui passe par là, c'est lui de pitié. Ça fait longtemps que j'ai pas tamé un truc. Je commence à m'ennuyer. Est-ce qu'il a reconstruit une mangeoire à l'autre là? J'espère pour lui. Ah, tu vois, je vais tirer. Ouais, non. Je sais pas combien j'ai dû lui mettre deux fléchettes alors qu'il mangeait plus, ça lui a enlevé 40 HP. À peine. Il en a refait une. Je vois pas encore. Même je pas. Je pense qu'il a dû la faire dans la maison. Il peut. Il y a rien à l'extérieur. T'en fous, on a réussi. Notre mission de rester dehors, planté dans sa baraque, n'a pas été vaine. Qu'est-ce que je vais augmenter sur mon Rex? Encore un point de dégâts et deux points en vie. Ah, c'est où que je voulais voir aussi. C'est quoi? À côté de... Comment ça s'appelle là? Ouais, qui c'est qui a pris mon Rex? Est-ce que ça tombe chez au moment où ils vont lâcher. Le problème c'est que eux, c'est pareil, avec tout ce qu'il y a, on a intérêt à prévoir la place hein, si on veut prendre quelque chose. Enfin, on va prendre quelque chose, mais il va falloir prévoir. Ou sinon, on prévoit pas et on fera une fois qu'on aura tout, et comme ça, on pourra avoir vraiment la place qu'il nous faudra quoi. C'est la fête du ptéro là. Une boîte de nuit. Il y en a plein. Il y en a moins 5-6. J'ai pas envie de tanner un ptéro. Ça servira à rien déjà dans un premier temps. Non, 2 jours, 23 minutes. Non, 2 jours et 23 heures. 2 jours et 23? Lui, il en a des choses aussi. Hein. On va arrondir grosso modo à 3 jours. Ce sera un mercredi soir. Mammouth 114. Hein. Bah, c'est le même niveau que... Eve, hein, même plus petit peut-être. Ah oui, mais bon, c'est mieux que le mammouth qu'on a là. Autre que Eve. Oh, lui, je le veux. Ah oui, il est joli, lui. Oui, lui, le 17. Oui, il est superbe. Juste pour la beauté du geste. Mmh. Après, t'as le Spino, quoi. Le Spino 203. 175. Oh. Lol. C'est tout. Enfin, c'est pas intéressant. 118, 186 en kilos. Ça peut être bon ça. Oh oui. Oui, oh oui.
Les ankylos, on peut même tous les prendre pour faire des œufs. Mais tu vois, faudrait limite trouver un deuxième quetzal comme ça. Là, t'imagines, tu vas à deux quetzal pour faire les allers-retours. Non, Breton, prends, non, ça ira. Putain, t'as de la chance d'avoir un PC qui cherche pas. Il est parti, Joe ? Mais je sais pas, elle a peut-être arrêté à 203, ouais. Le Spino. Mmh, je suis même belle encore. Peut-être sa femme qui appelle. Déjà, je récupère les œufs. Ah, oh, mais c'est pas un œuf, d'accord. C'est un caca. C'est son pied. C'est pire en fait. C'est carrément pire. Ouais, il a mis tous ses frigos à l'air libre comme ça, tac. Dans 2 jours et 23 heures, ça donne quoi? Ça donne mercredi dans la nuit. Intéressant. Ouais, parce que les ankylos, le doidi, le spino, ça peut être pas mal. Et les autres à 3 heures près, quoi. Mon dieu. Ils allaient tout perdre. Enfin, là, ils sont à 3 jours, hein. Non, mais. Avant, c'était 3 heures. Oui, mais je me rappelle. Mais là, il en reste 3 jours. C'est ça que je voulais dire. Ben, je me dis, un oubli, c'est vite fait. Un oubli de leur part, c'est ça que tu veux dire? Mmh. Enfin, moi je te dirais pas qui c'est qui risquera d'être là aussi. Hein. Oui, bah. Là, j'essaierai de réquisitionner le maximum de personnes. Sinon, on sera que deux, hein. On prend deux bestiaux intéressantes. On peut prendre plus si on veut. Problème là.